Ok, salut à tous. Normalement, on devrait bien m'entendre. On ne me voit pas encore, mais on devrait bien m'entendre. Dans tous les cas, désolé pour le micro tout de suite. Il faut le temps qu'il arrive sur Amazon. Hein. Vous connaissez les bails. Donc, il semblerait que nous soyons trois. Trois sur ce stream magnifique. En temps réel, les amis. Alors, que je puisse avoir vos petits chats là. Donc si vous m'entendez bien, lâchez un commentaire, petit commentaire, même si je sais qu'il y a pas mal de délais, juste pour être sûr que tout fonctionne bien. Ouais, alors j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de bruit sur le stream. Donc si vous m'entendez. Ouais, alors ça devrait aller mieux. Je garde un retour, histoire de. Ok, allez, on passe sur la première scène. On va juste faire ça. Clac, clac. Nickel. Merci Dylan. Et merci Japonais. Je connais pas ton nom, désolé, de la Réunion. Ouais, alors ça a l'air d'être nickel. Hop. Je mets juste le petit jeu. Capturer une fenêtre. Allez, hop. C'est le début. Franchement, écoutez, si ça vous fait kiffer, si on est 50 sur le stream, même 30 sur le stream à un moment donné, très clairement. Pourquoi est-ce qu'on voit cette... Ah oui, bah, non, on n'est pas censé la voir, cette fenêtre. Salut à tous les amis, écoutez, ouais, beaucoup manqué, ça fait une semaine que vous n'avez pas de vidéo, je sais, et c'est la grosse galère. C'est bizarre qu'on voit cette fenêtre là, c'est extrêmement bizarre, peu importe. Écoutez, moi j'ai mon petit volant, j'ai le retour en décalé, mais c'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire déjà, je pense, un single player, ok. Commencer par là, choper une voiture. Alors j'aimerais dans les commentaires que vous me disiez quelle voiture est-ce qu'on choisit. Une voiture de merde entre guillemets. D'ailleurs j'ai mis le competitionné, mais si vous voulez on peut mettre le Assetto Corsa normal. Si vous voulez plus de bagnole peut-être. Et ensuite on l'améliore et on la fait devenir un monstre. Et ensuite là on va en multijoueur. À mon avis c'est le bon bail. Mais c'est pas grave. Ouais, le son est pas ouf mais il est correct. On va dire. Voilà, je suis désolé pour ça. Vous inquiétez pas, d'ici le prochain stream, c'est-à-dire demain ou après-demain, il y aura de meilleure qualité. Ok. Alors, du coup, on va voir vos petits commentaires là. Apparemment, les gens n'ont pas l'air motivés. Mais si, ils ont l'air motivés. Plus de son. Ah, tu veux plus de son. Ok. Bon, ma foi. Voilà. Maintenant, s'il y a assez de son, tu me diras. S'il y en a trop, dites-moi. Je regarde tous vos commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds. Ok. Quelle voiture est-ce qu'on prend, les gars? Quelle voiture on prend? S'il vous plaît, répondez-moi. Moi j'aime beaucoup la Ferrari dans ce jeu. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de photos de Ferrari. On va faire une petite story quand même, histoire de réveiller les gens là. Bon, on est en direct live sur Assetto Corsa, compétitionné avec le volant. On fait des setups de malade, on règle tout, le carrossage, la pression des pneus, les amortisseurs, on règle tout là-dessus, sur ce jeu. Donc on se fait ça tout de suite, là on est en live. Venez tout de suite maintenant.
Voilà. Maintenant qu'on a fait ça. Bon, quelle voiture on prend, les gars? Je pense que là, vous avez eu. Vous savez pas trop. Écoutez, on va prendre une voiture de merde. On va prendre une Porsche. On va prendre une Porsche. Clac. Clac, 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 clac. Pourquoi est-ce que je dis une Porsche? Parce que Porsche, dans ce jeu, franchement, on va pas se mentir, c'est clairement de la merde. Dynamic Motorsport, c'est parfait. Alors, vous le savez sûrement, j'aime beaucoup les Porsche, mais très honnêtement, dans ce jeu. Oh, il y a Romain Dumas, c'est parfait, j'ai pris la bonne équipe, moi. Platinium. Mais très honnêtement, dans ce jeu, c'est pas du tout. Alors, on va se mettre en ensoleillé. Dans ce jeu, c'est vraiment, vraiment pas une bonne bagnole, de base, en tout cas. Elle part dans tous les sens. Si vous l'avez déjà conduite, franchement, dites-moi. Moi, j'aime pas du tout la Porsche dans ce jeu. Voilà. En tout cas, pas de façon directe, pas sur la, pas classique quoi. Voilà. Si on la prend de base, exactement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De base, c'est rendre la merde cette bagnole. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme circuit? Peut-être Spa. Spa. Alors ouais, on va prendre Spa. Voilà. Encore une fois, si vous voulez changer, on change de circuit. Moi, ça me gêne pas. On peut faire du Assetto Corsa aussi, du normal. Ok. Donc ce qui va se passer, je mets la story juste sur l'autre côté. Ce qui va se passer en fait, vous allez le voir dans ce virage là, là, dans ce gros virage, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Cette bagnole, c'est n'importe quoi. Très honnêtement. Je vous laisse juste regarder, ça suffira. C'est nymphe. Clac, clac. Tant que ça charge. Ah merde, il est resté calé. Ah Bon, on est ouais. en direct live sur Assetto Corsa compétitionné avec le volant. Voilà. Voilà. Ok, ouais, alors faut que je change ma capture. Ok, c'est assez bizarre ce qui se passe. Soit. Ok. Là, normalement, ça devrait être bon. Désolé. Ah, on est déjà 7. Oh, franchement, les gars, vous êtes incroyables. Franchement, merci. Genre, j'ai déjà envie de continuer. On est à 6, donc 10. Voilà. Donc là, l'image est bonne. Ça y est, enfin, c'est la première. Désolé. Alors, les setups, je vous explique rapidement ce qui se passe. Dans ce jeu, alors il y a trois setups de base. Il y a la setup safe, qui est la setup, on va dire, tranquillou. Pourquoi est-ce que l'image est aussi dégueulasse? Qui est la setup tranquillou, ok, vraiment, histoire de. C'est censé éviter de faire le circuit. Ensuite, il y a l'agressive. L'agressive, là, c'est pour faire les meilleurs temps, mais voilà, la caisse, elle est vraiment trop mobile du cul. Elle part dans tous les sens. Et après, il y a le mode pluie, avec les pneus pluie, etc. Anti-roulis plus soft, etc. Et là, quand je vais dans ma current setup, là on peut modifier, on peut tout modifier. C'est ça, c'est l'intérêt de l'Assetto Corsa, que ce soit celui-là ou l'autre. On peut modifier la pression des pneus, on peut modifier le parallélisme, de combien est-ce qu'on ouvre, de combien est-ce qu'on ferme les roues avant. Bon, là on est à l'avant, mais il y a tout à l'arrière. Ensuite, il y a le carrossage, il y a ensuite la châsse, qu'à l'avant bien sûr, à l'arrière pareil, la pression, le parallélisme et le carrossage. Okay. Là, ici, on a les températures. C'est outside, medium, inside et inside, medium, outside. Okay. Les températures, on a la pression à chaud, on a l'usure des pneus. Merde, j'ai fait une course, c'est pas grave. On a l'usure des disques aussi et l'usure des plaquettes de frein. Ok, donc on est descendu à 5 personnes, c'est pas grave, les gars, franchement, avec les bruits qui restent. L'électronique, on s'en fout.
on peut régler tout ce qui est au niveau de du mazout, ok, du carburant, donc ça c'est juste le poids. Et là, là c'est là que la magie opère. Ok, donc avant c'était plus de la géométrie quoi. Et maintenant là voilà, là on a la raideur des ressorts, on a les bump stops, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le truc en caoutchouc engage en fait sur l'amortisseur. Bon là c'est pas du caoutchouc. Et en plus on a la rate, c'est-à-dire la raideur aussi de ce truc-là. Donc ça c'est la rate, la raideur. Ça c'est à quel moment est-ce que ça engage, ok. Là ça engage jamais en fait, là ça engage tout le temps quasiment. Et voilà, pareil pour l'arrière, la barre anti-roulis et la précharge différentielle. Bon, ça c'est plus pour conduire, et ça c'est au niveau de l'équilibre de freinage. Il y a vraiment plein de trucs, et là il y a les amortisseurs, donc la compression lente, la compression rapide, le rebond, et la détente rapide. Voilà, donc ça c'est vraiment assez incroyable, et il y a un peu d'aéro, bon on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails. Ok, donc là on va partir avec l'agressive, allez. On part avec l'agressive, et on va commencer la course, ok. Je sais que vous êtes chaud, alors j'ai pas mis plus de go in double file. Quand on monte son véhicule en serrant les ressorts sur les combinés filetés, est-ce que ça durcit le ressort ou ça tend juste l'amortisseur? T'entends quoi par tendre l'amortisseur? Parce que ça ne se tend pas l'amortisseur, c'est pas un arc, c'est pas une corde, mon petit Régis Druy. Régis, je ne t'ai jamais vu, tu n'as jamais commenté les vidéos, je crois en tout cas. Je me rappelle en général de tout le monde, oui, vous êtes 1850 000, non, vous êtes juste 1005. Mais c'est énorme déjà, merci, franchement, merci beaucoup à vous. Mais en tout cas, je me rappelle en général de tout le monde. Régis, je crois que tu n'as jamais commenté. C'est très bien de commencer, commencez à commenter les gars. Mettez un like sur ce stream d'ailleurs si c'est toujours pas fait. Ensuite, je ne sais pas ce que tu entends par tendre les amortisseurs, mais en gros, quand tu... Quand tu serres le ressort, c'est-à-dire que tu compresses le ressort sur l'amortisseur, que ce soit un combiné fileté ou pas d'ailleurs, à partir du moment où c'est fileté en fait, ça durcit pas le ressort, ni l'amortisseur d'ailleurs, l'amortisseur ne bouge pas. Ça durcit pas le ressort, ça augmente la précharge. Et en fait, augmenter la précharge, ça sert en général à relever la voiture. Et si on fait l'inverse, ça la descend, forcément. Okay. Et l'intérêt de ce truc-là, en fait, ça ne change absolument rien au comportement de l'auto. Ça va juste changer la hauteur de caisse. Le problème, c'est que si on durcit trop la précharge jusqu'à un niveau où on n'augmente plus la hauteur de caisse, mais qu'on continue de compresser le ressort, ce qui va se passer, en fait, c'est que là, en termes de feeling, on va changer quelque chose, parce que le poids de la voiture ne suffit pas à compresser le ressort, pardon. Et du coup, ben, on va avoir des ressorts extrêmement durs en termes de ressenti. Voilà, donc c'est vraiment pas une bonne chose. On va mettre la première. Truc avant au niveau des FPS, on va un peu réduire histoire de vraiment être sûr de pas avoir de problème à 70%. Ah mais c'est pour ça que t'es dégueulasse. Pourquoi tu t'es mis à... il est fou. Ouais, on va juste se mettre comme ça, anti-aliasing, hop, on verra, on augmentera après peut-être s'il y a un souci. Voilà. S'il y a un problème. Westfield, ah bon courage mon pote. Ouais, si on augmente la hauteur de caisse, faut refaire une géométrie, surtout au niveau du parallélisme en fait. Les autres angles, ben ça dépend si tu peux les régler. Donc déjà un para, après une géométrie complète, ça dépend de ta voiture. Et ça dépend de ce que tu recherches sur la voiture aussi. Hein. Si tu veux pas des performances ultimes, t'es pas obligé, très honnêtement. Ah merde, ok. Merci du retour. Alors, je vais réduire l'audio. Ah oui, en effet.
que ça va mieux? Donc, est-ce que l'audio va mieux maintenant? Du jeu. Donc, là je sais pas si ça va marcher. Voilà, donc là gros sous-virage, je pense que vous l'avez senti. Gros sous-virage, c'est-à-dire que je tourne le volant mais la voiture ne tourne pas. Il y a clairement un problème là. Il en est où mon PC? Il en est où Le pros il s'en fout, la mémoire elle s'en fout. Pourquoi est-ce que ça galère tant? Alors, donc là hop, on fait juste avant le vibreur. Non mais gaz, hop là, déjà on a un petit coup qui se balade. Pareil, on a le vibreur. Bon là les adversaires sont assez faciles. Donc on va essayer quand même. Voilà la grosse sous-virage. On va essayer de lui laisser passer. Je vous montre un peu. Par contre là. Là ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas ce qui se passe. Vidéo. On est en basique de chez basique là. Hein. Bla 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 bla. Ah. Apply. Apply. Back. Drive. Ok, ça a l'air mieux. Ok, donc là, voilà, complètement. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment le cul qui se balade. Et encore, on n'est pas passé dans le radio. Beaucoup mieux, impeccable. Par contre, de mon côté, mon jeu en saccade. Et ouais, c'est ce que j'essaie de régler. Bon, je vais essayer de le régler maintenant alors. Je vais essayer de le régler maintenant. Ok, 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 ok. Alors, je sais pas pourquoi ça saccade un petit peu. Combien je vous ai mis là de... Il change un peu les paramètres du stream. Désolé, désolé les amis. Je suis en train de regarder moi aussi. Ouais, ça saccade un petit peu. C'est même dégueulasse. Alors, on est retourné, nous sommes enfin 7. Enfin 7. Et ouais, faut augmenter le débit vidéo là. Forcément. On va appliquer ça. Et puis on va faire un truc aussi. Ah, je peux pas le changer ça. Ok. On va essayer de rester comme ça. Voir si c'est ça qui merde ou pas. C'est les aléas du direct. Merci pour tes réponses. Je galère un peu car pour faire un bon réglage châssis, grip, freinage, pas trop sur vireur. Exactement, le survirage, on va en parler. L'équilibre sur virage, sous virage, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est l'équilibre de la voiture. On va en parler. Franchement, reste là.
Les mécanos normaux ne sont pas d'une grande aide. Mais oui, les mécanos, ils savent changer une pompe à eau, etc. C'est ce qu'on leur demande en même temps. On leur demande pas de préparer une voiture. Donc voilà, c'est normal si vous voulez. C'est très bizarre. Pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est ça. Si je comprends pas, y a rien qui est à fond. Il n'y a absolument rien qui est à fond. Mais j'ai l'impression que c'est le PC qui bug et pas du tout. Et pas du tout. Qu'on appelle ça. Pas du tout la connexion. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Alors, on va essayer de peaufiner ça. Alors, je fais une micro-coupure du stream, je suis là dans une seconde. Ok, bon. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Je crois savoir ce qui merde. Ouais, bon, il y a un micro lag, ça c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va juste quitter ce jeu-là. On va partir sur du Assetto Corsa classique. Et puis, ça sera mieux à mon avis. Ça demande un peu moins. Parce que là, il y a un truc qui se passe et j'ai pas le temps de le régler. Je vais pas jouer avec les paramètres graphiques toutes les 2 secondes. Il est où mon Steam? Il est là. Clac. En tout cas, est-ce que tout le monde va bien, au moins sur le stream? Je pense que personne n'a le corona. Personne n'a cette merde. C'est déjà ça. En tout cas, ça devient de pire en pire. J'ai vu ça. On annonce des temps de confinement de pire en pire, de plus en plus longs. Et ça fait chier. Parce qu'on a envie de rouler avec nos caisses là. On a envie de rouler. Alors du coup, faut que je vous fasse un... Hop, clac. Capture de jeu. Donc allons-y, on va partir sur un petit multijoueur. On va partir sur un multijoueur. Pour l'équilibre de ta voiture, Régis, très honnêtement, essaie de faire un poids par roue. Et dans tous les cas, tant que tu compresses pas trop l'amortisseur et qu'il se compresse une fois que tu poses la voiture au sol, il n'y aura aucun souci pour ta bagnole. Tu vas perdre légèrement détente, ok?
Ta roue va moins descendre quand il y aura un trou sur la route, mais à moins de faire vraiment le truc de malade, il n'y aura pas de souci. Alors, on va aller online. On va aller online. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien sur le stream? C'est assez bizarre. Ok. Alors, ok, prenons cette voiture-là. Clac. Allons-y. Allons-y. Est-ce que le stream se passe bien, les amis? Ah, voilà. Ah, bah écoute, Moto Nino, je suis très honoré que ce soit ce que tu veuilles faire. Ce que tu voulais que je fasse. Est-ce que c'est toi qui m'as mis un commentaire en me demandant si les réglages châssis que je préconisais marchaient aussi sur les jeux vidéo? Parce que je sais que quelqu'un m'a demandé ça. Et oui, bien sûr qu'ils marchent sur les, du moins les jeux vidéo qui marchent bien. Hein. Les jeux vidéo qui sont pas très réalistes, forcément ça ne marche pas. Ou du moins ça marche pas autant. Mais globalement quand même, les jeux essayent de faire en sorte. Alors. Est-ce que j'arriverai à avoir quelque chose de bien là-dessus? Ou alors je capture juste mon écran, je crois, parce que c'est en train de me saouler. Et que ça sera, à mon avis, le plus simple. Ah, ben voilà! Ok. Allons-y! Alors. Dans les paramètres là, juste pour avoir une idée, on a les vitesses. Bon, les vitesses, on s'en fout. On a la pression des pneus, pareil. On a le carburant, l'aéro. Là, on a le carrossage et le parallélisme. Ok. Les amortisseurs, pareil. On n'a pas rapide et lente, mais on a quand même la compression et la détente. Voilà. Donc, je demandais la voiture. Si vous avez une voiture, donnez-la-moi. Donc là on part dans une F1, alors j'ai pris au hasard. J'aurais peut-être dû prendre essayer de prendre une GT86 pour vous. Donc ce qui va se passer, voilà, boum! Pourquoi il se passe ça? Oh, détective, ouais, ben, on s'en fout que j'ai cuté le circuit là. Donc pourquoi il se passe ça? Parce qu'il n'y a pas assez de traction sur les roues arrière. Et certains se reconnaîtront, voilà, il y a un effet. Certains se reconnaîtront qu'on des voitures de drag ou quoi, des petites ultra puissantes. Qui avait un virage, voilà. Ce qui va, ça c'est par contre, c'est le blocage des roues à l'arrière. Ce qu'on veut, c'est pouvoir accélérer. Ok, donc en général, c'est qu'il y a trop de carrossage sur ces voitures-là. Du coup, on n'arrive pas bien à accélérer. Ok, donc on va voir si le cul part, tout simplement, si elle est survireuse ou pas. Donc j'ai vu qu'on utilise le bagage de ma vie. Je vous le dis, il n'y a absolument pas d'ABS. Si on peut qu'on a fait pour changer l'ABS sur ce jeu-là. On voit trop de messages pour tout le coup. Voilà, donc là franchement on est très bien. Partir du cul. C'est rien une caisse de malade par contre. Elle a l'air d'avoir un équilibre à peu près bien. À peu près, j'ai bien dit. Là, par contre j'ai vraiment les pneus avant qui sont glacés. Ils sont en bas à gauche. Hein. Avec les pneus bleus. Ils sont complètement froids. Ah Enzo il est là Enzo. Enzo j'ai pas de mode non Enzo. Pas encore, t'inquiète pas ça va arriver. Déjà je crois que j'ai l'impression qu'il me fait une carte graphique là. Oh là là.
Je vous l'ai dit les amis, si on est 30, pardon, si on est 30, je fais ça très régulièrement. Pour votre plus grand bonheur. Balancez vos questions très facilement. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais aller prendre une tatoum là. Le monsieur est tatoum. Donc là, c'est un mauvais exemple de bagnole. La GT86, c'est pareil. C'est des voitures qui sont trop bien équilibrées d'origine, ça. Voilà, donc là, le cul, il y a vraiment un problème de cul. Alors, la voiture tourne pas mal. Franchement, il n'y a pas de problème de sous-virage. Donc, ce qu'on va essayer de faire, j'ai raté les stands, c'est trop bien. Alors, là, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'à au freinage, pardon. Au freinage en ligne droite, la voiture se retourne. Pourquoi est-ce que la voiture se retourne au freinage? Là, moi je touche rien. Non. Si je fais un léger... Là, si je rentre légèrement fort dans le virage... Non, ça va. Mais si je bloque les roues... Non plus. Je sais pas pourquoi. Écoutez, en tout cas, normalement pour moi c'était les freins, mais là ça ne l'a pas fait. C'est figé sur ton obs pour moi. Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, excusez-moi. Non, pas excusez-moi. Normalement c'est bizarre que ça ne marche pas. Ok, alors là je vais vous mettre une petite fenêtre. Capture de jeu. Fenêtre spécifique. Ah voilà. Là on est bien là. On n'a pas vu mon. On n'a pas vu mon truc dégueulasse. Ok, donc je sais même plus. Alors ouais non, c'est le start qui marche pas sur ce jeu. Back to pits, ok. Alors ce qui s'est passé, alors ouais, je vais peut-être vous faire un petit tour quand même du coup. Ok. Non, je regardais pas l'écran, c'est super. Image frère, grip ordi font pas bon ménage. Forcément ouais. Non si, le grip c'est bien, le grip c'est bien. On va faire du drift après si vous voulez au niveau des réglages et tout, mais c'est pareil, je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. Donc ce qui se passe là, c'est quand on met tatane, on va se retourner, voilà, classique. Et donc moi ce que je veux là, sur cette voiture déjà, on va dire que c'est une chose de débutant pour moi, ok. C'est que... Voilà, c'est qu'il n'y ait pas ce problème là. Il n'y a pas de problème d'accel, ok. Bon je fais un petit peu exprès, mais globalement, c'est ce qui se passe. Donc ce qu'on veut... Oh! Ah oui, faut s'arrêter. Ce que je veux, c'est augmenter donc à l'arrière le grip. Alors déjà, je vais baisser un peu la pression parce que j'ai vu que c'était un peu chaud, un peu trop rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, alors on va perdre du grip en latéral, mais je veux absolument... pardon. Non, d'accord. Je vais remettre du... J'ai enlevé du carrossage à l'arrière. Ok, on va dire qu'on a une caisse de dragster. Alors, on va mettre 0 parce que je connais pas la courbe de carrossage. Ouais, ça me paraît bien. Alors on va mettre 0 à l'arrière. Ça c'est la pince, ok. Nous ce qu'on veut c'est que ça pince un petit peu. Ça c'est pour gagner en stabilité. Ok. Alors, on va mettre 10. On va mettre 10, on va dire qu'on est en millimètre. Alors il n'y a pas d'unité ici. Mais je pense qu'on est en millimètre. Ou en minute d'angle, je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être des... Des minutes d'angle, ouais exactement. Ok, parfait. Donc là c'est ce qu'on a. Au niveau des dampers, alors on veut le bump là, on en veut 0. On va se mettre à 0. Donc là on réduit le bump, la charge en fait des roues au niveau des amortos. Les amortos travaillent plus beaucoup, du coup la roue n'a pas vraiment de charge. Ensuite au niveau de la suspension, ce qui va se passer. Ce qui va se passer c'est qu'on va réduire les ressorts, ok, pour avoir du grip, le plus de grip possible. Guillaume, si t'es là, prends note.
Et tu le sais déjà, tu vas me dire, mais prends note quand même. Au niveau de la hauteur de caisse, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Au niveau de la hauteur de caisse, le speed shift de taré. Ouais, mais ouais, bien sûr. Non, ouais, non, mais entre les vitesses, on est comme ça, nous. Moi, je veux que la voiture, elle soit, soit une caisse de drague, ok? Donc là, on va baisser la hauteur de caisse à l'arrière. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Alors la voiture, je crois que, ouais, elle est en train de se coucher. Pourquoi? Ça sert à mettre le plus de poids possible, en fait. Régis, toi qui me parlais. En fait, ce qui se passe, c'est que en baissant la voiture, on rajoute du poids à l'arrière. Et donc là, on va réduire le survirage. Et donc, on va aller vers le sous-virage. Et surtout, on va mettre plus de poids, plus de charge, donc plus de grip. On va perdre à l'avant, mais on va en gagner à l'arrière. Ok. Au niveau de l'avant, on pourra augmenter un petit peu les ressorts. Je vais le faire. On peut augmenter la hauteur de caisse. Ça, Guillaume, c'est pour toi. Même si tu veux pas que ta voiture soit un 4x4. Je sais. Bon, là, la voiture, elle va être complètement dégueulasse à regarder. À conduire, je sais pas, mais en tout cas, on pourra accélérer comme des malades. Au niveau du diff power, diff preload, ouais, ça c'est bon. Oh, il y a le cost aussi, ok. C'est nice. Ok, allons-y. Donc on va faire on va faire save. Current setup. On peut pas écrire. Ah. Drag. Car. Voilà. Boum. Ok, allons rouler. Donc là, ce qui va se passer, c'est que même si ta patine, je peux contrôler. Voilà. Ah, ça part un petit peu quand même, d'accord. On va peut-être changer la vue, parce que c'est assez dégueulasse. Voilà, c'est quand même beaucoup plus contrôlable. Ok. Après, le but, c'est vraiment de faire ce que vous voulez. Ouais, salut Tintin. L'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on veut avec la voiture, ok. Là, on est là pour s'amuser. Il faut que ça corresponde au pilote, en fait. Si le pilote, il veut une voiture qui soupire plus, pour la faire soupirer, la voiture, c'est tout. Pas forcément vraiment être à l'écoute du pilote. Et là, franchement, je suis en première, je me tatane, on s'en fout complet quoi. La voiture elle crash. Par contre, en virage, j'ai peur qu'elle parte un peu du cul. Non, ça a l'air d'aller. Par contre, il y a un gros sous-virage, c'est pas grave, c'est ce qu'on voulait. Peut-être un petit peu moins que ça. Ah, franchement, c'est une caisse de drift qu'on vient de faire là, les gars. Je sais pas si c'est ça que vous voulez, mais on va essayer d'augmenter par contre l'ouverture sur les roues avant, parce que je veux du mordant dans ma direction, et pour ça on veut de l'ouverture sur les roues avant. Ok, on va commencer par mettre 15 minutes je pense de chaque côté. On va être assez agressif. D'ailleurs, si vous voulez un guide sur la géométrie, n'oubliez pas, le guide est gratuit en PDF dans la description, du live, des vidéos, etc. Là c'est vraiment une caisse de drift qu'on a fait. On a fait une F1 de drift. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on est en live, on est en ligne. Ok, donc tant qu'à faire, on va faire. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, je sais pas si vous avez vu à un moment donné le titre du serveur. J'ai monté 10 mm à l'avant pour charger l'arrière et ne pas toucher avec le carter. Ouais, exactement, très bien. Si tu veux réduire le survirage, c'est ça qu'il faut faire, sinon tu vas sous-virer. Enfin, dans tous les cas, tu vas plus sous-virer qu'avant. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches. Ouais, ça me paraît bien, le stream est de bonne qualité. Franchement, je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, on a du carreau. Alors voilà, là on a pourquoi est-ce qu'on a de la fermeture? Si c'est positif, c'est qu'on ferme. Ok, on veut pas fermer à l'avant. On veut pas fermer. Et je vous l'ai dit, on n'a pas assez de mordant. Voilà, est-ce qu'on peut aller en négatif? Non, on peut aller en négatif. Tant pis. Ah, c'est la course! Tant mieux. Vas-y, hein. Let's go, hein. Let's go, les gars, let's go. Est-ce qu'on va gagner? Franchement, j'ai un petit doute. Je vais mettre un peu de carrossage quand même. Ah merde, je peux plus changer le setup. Bon, bah tant pis. Tant pis. Je mets du carrossage à l'avant du coup. Parce que là, je pense qu'on va galérer un petit peu.
On a galéré à tourner, mais en tout cas on va mettre tatam. Et ça c'est cool. Je sais pas si vous l'avez senti avant après. Je vais encore retourner. Et ouais, à chaque fois je me fais avoir. Bon bah au moins je peux back to pit. Je peux mettre du carreau. Carreau c'est en négatif. On va mettre 3 degrés. On va mettre 3 degrés. 30 secondes. Ah ouais quand même. Putain on s'est fait niquer sur ce coup là. Ouais je peux augmenter la sensibilité de la direction. Pourquoi Tintin. Allez là. Ouais, d'ailleurs les pneus, ça c'est les pneus, la qualité de la gomme, ce truc là. Ça c'est le truc le plus important dans une bagnole, vraiment. C'est bien d'avoir des bons réglages, mais s'il n'y a pas de pneus, ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs les réglages se font en fonction des pneus. Hein. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, on a plus de train avant. Oh là là. Je ne sais pas ce qui se passe, la voiture n'est plus reconnaissable. C'est vrai que dans la vraie vie, là, je suis un peu les gaz quand même quand je passe les rapports. Après, c'est une petite voiture à palette. Hein. Que se passe-t-il? J'ai vraiment pas pris la meilleure voiture du monde. Latence, non, il n'y a pas de latence. C'est. À mon avis, c'est que la vidéo est décalée. D'ailleurs, c'est bizarre que la vidéo soit décalée à la haute caméra. Ah non, si. Ouais. Je sais pas, écoute, je sais pas. Je ne saurais pas quoi te dire. Ouais, j'ai short-shift légèrement parce que. Oula, j'ai oublié ce virage. C'est n'importe quoi. J'avoue que c'est pas le circuit que je connais le plus. Nous sommes 7. Alors, franchement, j'ai 7 abonnés qui sont vraiment tout ce que je fais. C'est vous qui fatiguez la chaîne, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Donc, on arrive à faire 2-3 tours. D'augmenter la pression à l'avant quand même parce que là ouais alors du coup, je peux expliquer c'était le concept du live stream c'est que bleu ça veut dire que le pneu est froid, vert ça veut dire qu'il a super bonne température et rouge il est jaune il est trop chaud et là les pneus avant ils sont clairement froids et pour augmenter la température on augmente la pression et ça c'est une règle globalement générale. Parce que s'il y a trop de pression, s'il y a trop de température, pardon, mais c'est trop de pression, on va faire ça. Donc là, par exemple, si je mets 20 PSI, donc on va dire 2 barres de plus, si je mets 2 barres, le pneu va surchauffer, tu vois qu'il est froid. Si je mets qu'un bar, il sera bien. Enfin, il sera un peu trop quand même. Alors là, je me traîne complètement. Donc je pense pas qu'on a amélioré la voiture, honnêtement. Après c'était pas forcément le but à la base parce que la voiture était exceptionnelle. Pour être honnête, elle était très bien équilibrée, mais voilà, j'ai joué avec. Alors du coup une voiture à la con. Enzo, toi qui connais le jeu, s'il te plaît, balance-moi une voiture à la con. Une voiture qui est pas très bien d'origine. Non, on va aller faire le drift en 30, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
énerve pas plus la voiture. Voilà, la plus simple à conduire, on va dire. Donc. Ouais, ma pression est légèrement trop haute encore à l'arrière. Ouais. On est pas tout à fait bien là. On va changer de. Alors, est-ce que j'ai encore le client du jeu? Non. Tant pis. Du coup, ce qu'on va se faire. On va se faire. Ginetta et tout ça, ouais, ça c'est bien ça. Une Élise. Prenons une Élise. Une Élise, c'est très dur à conduire. Selon ce qu'on veut faire dessus. Une Westfield, ouais, 650 kg, c'est plutôt léger, ouais. Non, je suis pas mort, calmez-vous. Calmez-vous. Hop, voilà, c'est parfait ça. Par contre, je sais pas pourquoi est-ce que lui, il ne veut pas prendre ce que je veux. Tant pis. Impeccable, ok. Alors, exactement le voile noir. Exactement. Bon, du coup, on va essayer de regarder la voiture. On verra après. 6 degrés de carrossage, c'est vraiment que dalle. 1,8. Ouais, c'est beaucoup plus là. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus. Ok. Comme voiture quand même. Voilà. Et ça de pas regarder. J'ai regardé devant moi quand même. J'ai vraiment dû prendre une voiture que je connais bien. C'est assez déplorable. Alors les pneus sont vraiment froids là par contre. Je sais pas, ils font sortir comme ça les mecs. Tatane ici, c'est pas normal, je vous le dis. Élise, c'est de la merde. Non, en vrai j'en veux une, mais on risque d'en avoir une sur la chaîne un jour ou l'autre, je vous le dis. Je crois que j'ai pas fait mon tour avec cette pression de plus. Une M3, il y a une M1, il y a une E30 sinon.
Mais ça patine pas en première, ça, les gars. Oh. Ouais, bah si vous voulez. Ouais, faut que j'arrête de regarder. Si vous voulez une moteur centrale, une moteur avant, je vais prendre une moteur avant, ouais. Tu veux une 30? Ah, Enzo, viens sur Discord si tu veux. Si tu veux être présent sur le stream. Enzo, c'est le nouveau. C'est le nouveau. Ah non, c'est pas la Enzo. Mais viens aussi Discord si tu veux, hein. Et parce qu'on a Enzo qui est le nouveau cadreur de la chaîne. Nouvelle vidéo, vous reverrez très bien, très bientôt. Il y a trop d'Enzo sur cette chaîne, Objective Grip là. Enzo fan BM. Il y a une E30 ou pas, elle est sublime. Non, sur ce circuit. C'est pour ça que j'ai pris ce circuit à la base. Bon, on va clairement faire ça. Je vois des réactions, on va clairement exit celui-là. Je sais que vous voyez rien, attendez deux petites secondes. D'ailleurs, ça. Ah si, voilà, vous voyez quelque chose, ben voilà. Bref, alors. Est-ce qu'on prend la E30? Est-ce qu'on prend la E30? Prenons la E30. Prenons la E30. Toujours boire, les gars, toujours boire. S'hydrater, tout ça, c'est important. Raven! Raven, viens Discord, Raven. Ouais. Ouais, ouais. J'ai cassé l'Elise, du coup, je change. La GT86, c'est bien aussi, mais comme je disais, elle est trop équilibrée de base. Donc, je dis une voiture de merde. Une voiture de merde, personne n'a d'idée, même pas moi. C'est pas la Coupa, c'est dommage. Ça, c'est une magnifique E30. Normalement, la voix. Check. Toujours avoir le retour du stream. Petit frein à main. Parce qu'on est des kékés, nous. La voix, c'est nickel. Amortisseurs, hein. Oh, ce drift. Ouais, c'est suffit, ça me fait. Arrêtons de drifter. On est pieds planches. C'est quoi ces pressions qu'ils nous mettent là? Premier virage, je vais finir dehors, hein. Je vous préviens. C'est quoi cette pression? Bien, elle va tellement pas vite que. Tellement pas vite que il y a grave moyen. Il y a grave moyen que le virage on est prêt à 2000. Pas à fond quoi, pas besoin de freiner. Ah si, le pneu avant gauche là il commence à être au bout de sa vie, ça c'est nice. On va essayer, voilà, de faire un gros sous-virage. Ça n'a pas de puissance, cette merde. Ça n'a pas de puissance. Merde, 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 merde. C'est ça de regarder ces messages. Enzo, arrête de m'envoyer des messages Insta. Tu me dis trop de choses. Voilà, c'est ce que je pensais.
Allez hop, on arrête parce que là je suis en train de casser la bagnole en plus, il a raison. Petit Tintin. Hop, frein à main. Ça n'avance pas. J'aurais dû prendre la Groupa. Ouais. Je crois qu'on va se faire une Groupa, les amis. Ça vous dit une Groupa? Une 30 ou pas rallye préparé. J'ai bloqué le diff, Ça va pas assez vite. Hein. On serait de la bite, mais. Y'a pas de traction control. Merde. Y'a pas l'ABS non plus. Je sais plus comment j'ai réglé l'ABS, bref. On va commencer l'ABS. Oh George, viens, viens sur Snap, viens sur... T'as compris. Viens Discord. Mon ami, j'ai quelqu'un pour me lire les commentaires utiles. Je peux pas conduire en même temps, là c'est trop compliqué. Ce sous-régime des familles. Ok, on rentre sur les freins, on rentre un peu en drift. On a vraiment une caisse un peu... Elle est pas si sous-vireuse que ça, remarque, elle est équilibrée. Parce qu'une fois qu'on est parti en drift... Voilà, elle est... Elle répond plutôt bien quand même. J'arrête de mettre des premières. J'habitue aux voitures en fait qui ont des premières qui tirent à 110. Donc quand je suis à 80, bah, je mets une première. Ah mais elle monte à 70. 70 c'est vraiment peu. Ok. Qu'est-ce qu'on y fait à cette bagnole là? Oh là, oh là, oh là. Ok, c'est le moment d'aller au pit. C'est le moment d'aller au pit. Ok, donc tu veux voir les réglages. Ok. Allons-y Tintin, je t'écoute. Les vitesses, elles sont pas modifiables, c'est dommage. Alors les pneus, clairement, non, peut-être pas l'arrière. Ah, un petit peu quand même. Par contre à l'avant, surtout l'avant droit, parce que l'avant droit, il voit jamais de virage. Donc voilà. Ensuite au niveau de l'alignment, là c'est pareil, on veut de l'ouverture. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que le réglage là en fait n'a pas le même effet là. Donc là, on va dire, ouais, on va dire que c'est ici que ça compte et ça, c'est juste un numéro qui est inutile en fait. Je sais pas pourquoi. Donc là, on est passé en négatif alors que là, on était en positif. Voilà, et c'est pareil là. Si on augmente, donc là, si on diminue, hop, on est en positif et là, hop, on passe en négatif. On est vraiment très peu en négatif, très peu d'ouverture. On en veut beaucoup plus que ça, mais c'est pas grave. Du carrossage, à mon avis, il en faut beaucoup. Plus que ça, mais voilà, ça marche pas. On peut pas aller moins que ça. Là, par contre, du carrossage, on a 3,8, c'est beaucoup, presque trop. Ah, d'accord. Bon, on va essayer de descendre à 3,5. Ouais, tu me diras, vu la puissance qu'il y a. Et par contre, le para à l'arrière. Le para à l'arrière, on va laisser à peu près à 0. Ok, si on regarde ces valeurs là, on va laisser à 0. Voilà, donc à 12. Allez, on va se mettre à 10. Histoire d'avoir quelque chose de. Voilà. Brake power 100%. Pit stop. Et bien sûr, il n'y a pas d'amorto, il n'y a rien en fait sur cette bagnole. De merde. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Un GT86. Oui mes amis. Pourquoi les pneus sont froids quand je sors des stands? Alors l'autre jeu c'est pas ce qui se passe. Hein. Ah là déjà on tourne, déjà ça tourne. Déjà ça tourne mes amis, ça tourne. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est pas si mal qu'on finit. Hein. Allez hop. Pack de merde, hein, donc c'était...
moment on essaie de s'amuser, c'est le principal. Oh là, oh là, oh là. Ouais, ouais, franchement, elle tourne. Franchement, elle tourne. Je ferai pas cette première dégueulasse. En tout cas, ça tourne. Elle survient légèrement, j'ai l'impression, mais vu la puissance de merde qu'elle a, on s'en bat les couilles. Ok, hop, on met les freins, on accélère jusqu'à la corde, on passe tout en drift, en 4, elle drift plus, c'est dommage. J'ai augmenté la pression, mais... Mais les pneus sont pas très verts non plus. Clairement, c'est des réglages d'origine là sur cette bagnole. C'est pour ça que l'autre jeu c'était bien parce qu'on avait plus de réglages. Mais bon, ça saccadait trop alors tant pis. J'aurais peut-être dû essayer de faire une course tout seul plutôt que. Mais justement, pas une course. C'est pas flamboyant quand même, hein. Moi j'ai le droit de prendre la corde. Allez, c'est le moment de prendre la groupa. On va essayer de prendre une groupa. Une petite groupa sympathique. On va voir quel circuit on prend. De toute façon, même moi je ne sais pas la groupa. Non. Bon là il y a des vraies voitures, hein, des M3 et tout, mais il n'y a plus de place. On va essayer d'afficher uniquement les clients où il y a de la place. Une Tatus, Tatus c'est très bien, c'est une sorte de Formule 1. Une Lotus Evo, vous m'avez dit que vous vouliez pas ça. On a une M3 E92. Mais je crois que je me fais chier en ligne pour rien. Chercher une petite course ou quoi, histoire d'être cool. On va se faire un petit practice. Et on va se prendre une M3 BM. Et on va se prendre, il y a la GT2, mais nous on va se prendre la Groupa. Moi je trouve que la Groupa a peut-être changé de circuit. Là-dessus, ça va être bien ça. Ah non, c'est pas Zandvoort ça. Une Mégane, ouais, non, quand même, on se respecte, pas une Mégane. Quand même. Donc là, en termes de réglage, déjà, on a la première, voilà. On va peut-être la mettre plus longue. On va essayer en réglage court. On va mettre des pneus Slick Soft DTM, alors du 90, mais c'est pas grave. La pression, on la laisse telle quelle.
Là, le carreau, on a 4 degrés, 2 à l'arrière, voilà, donc c'est monstrueux. Mais globalement, c'est ce qu'il faut faire. Là, ça, c'est une géométrie vraiment exceptionnellement propre. On a 8 degrés et demi de casse, de chasse, c'est nickel. J'en ai rien un peu plus, mais c'est pas mal. Ensuite, on a, ouais, voilà, on a 10 minutes d'angle à l'avant de chaque côté, c'est bien. C'est très bien. Non, clairement, on a 0 à l'arrière. Voilà, alors par contre, direct, je la connais la bagnole. Je veux qu'elle soit stable. Donc je mets 10 minutes à l'arrière, en fermeture, ok, en positif. Parce qu'avant on était en 0, 0, 0, 1, voilà. Je les passe en positif. Alors qu'à l'avant, je suis en négatif. C'est une propulsion, je vous rappelle. Donc on veut de la stabilité, on ferme. Si on veut de la mobilité, on ouvre. Ok, bon, l'ABS, il y a les réglages aussi d'amortisseur, etc. Ok, on va partir comme ça. Première, on y va. Bon, je suis. Je connais pas du tout. Mais alors, pas du tout ce circuit, je vous dis. Les pneus, ils me saoulent. Ah, là, ils sont chauds là. J'aime beaucoup le manu stack au milieu là. J'aime pas stack, mais là il rentre très bien dans cette voiture. Alors à gauche il est en surchauffe. Oula, ça a l'air d'être une grosse spéciale de rallye. Ouais, non, j'ai vraiment pris un circuit des tout droits en fait. Je croyais que ça tournerait un petit peu, mais il y a 2-3-90, la voiture ne tourne pas du tout. Ne freine pas du tout, pardon, c'est trop bien. Non, les pneus sont chauds. Trop bien. Trop, trop bien. Bon, dites-moi si ça vous plaît, en tout cas en commentaire là. Montrez que vous êtes encore vivant. On décolle avec le système de vitesse. Oh, pourquoi ça raccroche d'un coup? Tranquillou. La voiture elle raccroche d'un coup. Dites-moi si le setup vous plaît, si l'ambiance vous plaît. Est-ce que l'esprit du petit live stream vous plaît? Est-ce que j'en fais d'autres? Ou pas du tout. On a le côté gauche là qui est cramé. Il est complètement sur pression, sur température, etc. C'est trop bien. Oh, la direction qui bouge, je sais pas si vous voyez mon volant virer. C'est pas moi. Volant. Je suis un peu trop à l'inter déjà. Hop, des câbles. Attention, un droite qui serre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est bon, on l'a eu. Je veux qu'il y ait des messages, j'arrive pas à lire. C'est trop compliqué la spéciale de rallye. Écoutez. Je sais pas combien de temps elle dure, c'est le... Oh là, oh là, oh là, je crois qu'on a fini là, on a fait un tour. Je suis con, moi. Je les regarde trop tôt en fait, c'est ça qui me fait partir en coup. Hop, on pile, on rentre, on tourne, on accélère. Quand ah, ça ne circule comme ça que je voulais, moi. On a fait le tour. Alors on va juste changer de circuit parce que je pense que c'est un problème. Elle marche plus que l'autre BM, c'est déjà ça. Ouais mais carrément, heureusement. T'as vu l'autre BM aussi, s'il te plaît. Alors moi ce que je vous proposerais bien carrément. Carrément, merde.
Moi, je vous proposerais bien d'aller chercher ça. Voilà. Et on va aller Island Drift. Island Drift. 5 km, 12. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons-y. Là, on va avoir plein de réglages, ça va être bien. Peut-être que la voiture sera mieux équilibrée, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû changer le titre du stream. J'ai oublié de le faire. Mea culpa. Mea culpa. On va juste faire ça. Ok, impeccable. Ouais, ouais, clairement. Clairement, moi, je suis au bout de ma vie avec des caisses de merde là depuis le début. Hein. Tout ça pour vous. Tout ça pour vous. On va essayer de ramener de l'animation un petit peu. D'ailleurs, Quentin, par exemple, si tu veux venir sur le Discord, si tu veux parler un petit coup maintenant qu'on te connaît en plus, ou même, je vais t'appeler Jap, hein, le mec qui vit à La Réunion, là, Jap. Parce que je connais pas ton nom, j'arrive pas à lire le Jap, le chinois, je sais pas quelle langue du coréen. Ça, c'est une vraie bagnole, ça. Viens, virage. Alors elle manque un peu de train avant, c'est peut-être pour la stabilité. C'est du drift ça? Ah oui, en effet. En effet, ça va être du drift. J'aime beaucoup les... Oh là là, là, c'est plus long que ce que je pensais. Je vais essayer la photo. Non, reprends la corde. Ok. Là au moins il y a l'anti-décrochage de pont, alors je sais pas si c'est bien. Regarde. J'aurais bien vu une... Ah, il y a un triangle qui est mort, Tintin. Il y a un triangle de... Non, c'est pas une 30, mais c'est pas grave. On a un triangle qui est mort. Un deuxième triangle qui va mourir, voilà. Une clignote rouge. Faudrait que tu me changes ça, s'il te plaît, au prochain pit spot, pit stop. Ok. Hop, on monte sur les freins, hop. Non, trop tôt. Ok, on reste à la corde. On va à l'extérieur, on accélère. Non. Ok, c'est bon. La vitesse, impossible. Petit coup de frein. J'aimerais bien pouvoir bloquer le pont sur une bagnole quand même, ça me permettrait de la faire pivoter un petit peu. En vrai, elle est pretty damn good comme disent les Américains. Le circuit est monstrueux. Faudrait se faire une bagnole drift sur ce circuit. Je sais pas ce que vous en dites. J'ai besoin d'être Enzo. Faudrait que je coach Enzo là-dessus. Je sais pas si on peut se faire un run comme ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à voir le circuit quand même face à moi. Enzo, pour ceux qui ne connaissent pas Enzo le caméraman, c'est pas un pro drifter mais presque. Il fait du drift tous les soirs sur un seco. Voilà, il est habitué, il drift avec un peu de monde. C'est ça que moi je fais du grip sur un circuit. Pourtant je fais pas mal de grip, mais bon voilà, moi j'en fais beaucoup souvent. C'est un peu ça qui m'a donné l'idée. Et hier en fait j'ai passé 1 heure et demie à améliorer une voiture, dont une Porsche, enfin j'améliore aussi une Porsche, sur Competizione. Quoi, une table graphique. Allons-y. On passe la 4. Donc, est-ce que ça vous dirait de faire tous ces passages-là en drift? Voilà.
4, c'est bon. Okay. Sur les pneus avant, voilà, vous voyez, on sait qu'on s'ouvre, etc. On sait que le train avant peine parce qu'il n'y a que lui qui est en rouge. L'arrière, il est bleu même. L'arrière, il est vert bleu. Ok, donc il faut améliorer l'avant. On va aller au pit. On va aller au pit. Alors. Ça ne tchatche plus. Ça ne tchatche plus. Pourquoi ça ne tchatche plus? Pourquoi j'ai des drops de gens comme ça? Je perds des gens. Allons-y, on va régler cette merde. Alors, réglons cette merde. Déjà, les vitesses. Les vitesses, à mon avis, elles sont pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que les vitesses sont pas mal. Les pneus, on peut les laisser tels quels. Ok, au niveau des pressions, alors ouais, les pressions à l'avant, elles sont déjà ultra basses. À l'arrière, on peut un peu les monter. Un peu, j'ai dit. L'aéro, nous ce qu'on veut, c'est un front spoiler qui envoie sa mère. Ok, on veut beaucoup d'appui à l'avant pour avoir du grip, encore une fois. Au niveau de l'alignment, alors on va enlever, rajouter du carrossage négatif, donc on va faire moins sur Assetto. On va passer à 3,2 degrés, je pense que c'est une bonne base. J'avais pas les pressions, je sais pas trop comment ça se passait, mais l'avant était vraiment en galère, donc à mon avis, ça sera pas trop, mais pareil, c'est mieux. Ensuite, on veut mettre de l'ouverture à l'avant. Non. Pourquoi il met pas d'ouverture? Si, donc là, on est en positif. Et là, on est en négatif. Ok, ça, c'est bien, ça. Donc là, on a une belle ouverture à l'avant. À l'arrière, on veut de la stabilité parce qu'on va vouloir drifter. Donc, si on met plus, on ouvre. Donc là, on va fermer de... Ouais. Bien ça. On ferme pas mal, mais au moins on va être plutôt stable. Franchement, on va me mettre comme ça. La voiture va vouloir raccrocher, mais c'est pas grave. Ha, dessus. C'est bien ça. T'es un bon. Alors attends. Je t'envoie mon pseudo. Une seconde. Une seconde, mon petit. Une seconde. Tu tapes ça. Sur Discord, tu m'ajoutes ton ami. Et là, tu peux m'appeler. T'as juste à faire ça, mon petit. Je savais que ça te plairait. Allez, ajoute un ami. Non, faut pas que je fasse ça, moi. En attente, voilà. Ajoute-moi, mon petit Pierrot. Pierrot, Tintin. Est-ce qu'il m'a répondu l'autre GT2 GT3 c'est plus voilà. Est-ce que je suis en push to talk? Pas du tout. Détection de la voix. Mes amis, ça va être gigantesque. Je vous préviens, ça va être gigantesque. On est en train d'améliorer une voiture là. Ah. Ok. Dampers. Ce qu'on veut avec les dampers, on va vouloir. Alors là, il y a la fast. Et là, il y a la fast et la lente. Ah, ça, c'est magnifique, les gars. Donc. On veut en fait, ça c'est la compression et la détente lente. Écoutez vraiment ce que je dis, c'est vraiment primordial. Ces trucs là, c'est dans le cas du roulis, c'est qu'on prend ou qu'on enlève du roulis.
Anthony, ouais, c'est pareil, Tintin, Tony, voilà quoi, Michel. Ce qui se passe, j'attends encore ton message, hein, mon ami. Ce qui se passe, c'est qu'on prend du roulis, c'est cette partie-là de la moto qui va travailler. Et donc, si on lui demande à lui, là, à l'arrière, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de là-dessus, ce qui va se passer, c'est que la moto qu'on va tourner donc à droite, c'est la moto arrière gauche qui va prendre, il va prendre beaucoup plus que l'avant. Okay? Et si l'avant prend beaucoup moins que l'arrière, c'est l'arrière qui va partir un peu du cul et voilà. Alors, je vais pas en mettre trop, ça va partir, ça permet d'initier la glisse. Okay? Si on en met beaucoup trop, la caisse va être instable. Par contre, le fast, c'est sur les petites bosses et tout. Moi, je veux que sur les petites bosses, etc., la voiture, elle bouge pas trop, elle soit vraiment stable. Okay? On va même descendre à 30, comme ça, elle va être stable. Et les petites bosses là, comment on appelle ça? Le fait que la route soit pas parfaitement lisse, ça va être ce truc-là, la détente et la compression lente. Donc la détente, on va réduire un petit peu aussi. Et le rebond, on va un petit peu réduire. On va laisser comme ça, on va être plutôt stable. Ok. On va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors dish power. Voilà. Moi, je veux que quand j'appuie ça. Alors si, ouais, on va juste mettre 10%, ça devrait suffire. Générique. Ouais. Brake power, brake bias. Brake bias, brake bias. Voilà. Ça va être mieux. On met plus un peu vers l'arrière, ok. Suspension, alors les packers et tout. On va augmenter. Voilà. Donc avant, c'était sur les 50 derniers millimètres de course qu'on a les packers qui entrent en jeu. C'est-à-dire que ça tape au niveau de la suspension. Là, ça va être juste sur les 60 mm ou les 50. Alors, on va essayer de faire ça. On va sauvegarder. Merde, non. On va sauvegarder ce truc-là. Je vais voir si mon ami Tintin, votre ami Tintin, notre ami à tous, drift, set, up, save. C'est quoi la voiture déjà exactement? C'était marqué à un moment donné. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah! Ben rajoute-moi. Les gens s'impatientent, mon ami. Les gens s'impatientent. Non mais, Michel, sur Discord, mon ami, sur Discord, je ne te vois pas. Ouais, mais non, mais il y a forcément un dièse derrière un hashtag, hein. Bon, écoute, je ne sais pas. Démerde-toi pour m'ajouter. Je ne peux pas dire mieux. T'as mon blast, tu peux ajouter un ami, mais t'as juste. Ce virage est là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du drift? Je sais pas. J'ai eu envie sur ce circuit-là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, vous voyez, il y a le cul qui décroche. Et là, la voiture bouge beaucoup plus, mais elle bouge pas non plus tant que ça, et ça, c'est cool. Alors là, si on a beaucoup de virages, beaucoup de volants à droite. Voilà, vraiment tout fait pour qu'elle drift, hein. Il n'y a pas de frein à main sur cette bagnole. C'est vraiment une bagnole de course. Ok, on a un coup de frein. Transfert de charge, non, oui, non, presque. Coup de frein, on tourne, hop, on accélère, hop, merde. Alors, je vous rappelle que je ne connais pas la voiture, puisque je change des paramètres en temps réel. Donc, dans 5 minutes, ça ne sera même plus la même voiture que ce que c'était actuellement. Ok, on freine, non, je rentre trop tôt, je rentre trop tôt. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Je pensais que le cul décrocherait plus. Ok, on va essayer de mettre des vitesses plus courtes parce que là il faut que les pneus partent en couille. Ah, donc les pneus sont en train de devenir bien bien rouges. Ça c'est cool.
Tintin, parle-moi sur Facebook, s'il te plaît. S'il y a un souci. Oh là, oh là, oh là. Ah, c'est les 4 pneus qui sont en jeu. Voilà. Oh là. Ça raccroche trop sec. Je crois qu'on va enlever du carrossage. J'ai oublié ce problème-là. S'il y a besoin d'enlever du carrossage en fait. Hein. Oh là 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 là. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment besoin d'enlever du carrossage. On a 130 degrés et 35 PSI, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme la pression vu la température. 30 degrés, ça commence à être haut. Mon ami Enzo, là, le pro du drift, que je suis en train de faire le drift avec le GT3. Il m'a dit non, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Eh ben si, mon ami. Grâce au. Ah, mais il y a le traction control. Oh là là là, ouais, d'accord. Grâce au. Au pouvoir des réglages. On peut transformer une GT3 en drifteuse. Ah oui, en effet, pardon. Là je te vois. Là je te vois et là je peux t'appeler. Pas t'appeler en fait, je sais pas pourquoi je peux pas t'appeler. Tintin, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, il suffirait que tu m'appelles ou que tu acceptes, ou je sais pas ce qui se passe. Je t'ai en ami, mais je ne peux pas t'appeler. Ah, si, je peux t'appeler maintenant, c'est bon. Déjà, et ensuite on t'entend pas très fort. Tu peux pas quoi? Je vais regarder sur toi. Sur le stream en même temps? J'ai pas compris. Non, normalement ça marche bien. Par contre, si je m'entends en triple, ça va être bizarre. Déjà que je m'entends l'écho là. Bon, quelle est ton idée là? Comment? J'ai changé les 1080. C'est ça que tu dis? Oui, j'ai changé une E80. Ah oui, ça saccade. Pourquoi ça saccade depuis le début comme ça? Je pense que ça saccade. Ouais, c'est bizarre ça. Comment?
Non, parce que ça capte chez moi aussi. J'ai un retour sur le stream. Là, je roule un peu pour. Non, c'est pas. Enfin, ça capte depuis le début, non, du coup. Ah. Ah! Mais la vidéo c'est dégueu un peu. Il y a. Bon, la vidéo c'était vide tant que j'étais. C'était fluide. Y'a pas de soucis. C'est bizarre. C'est très étonnant. Mais c'est vrai que ça bouge. Ça saccade un peu. Pourtant, je suis en. On dirait que j'ai 10 FPS. Quoi? Ah. Ouais, mais c'est vraiment bizarre. Je stream en 30 FPS. Hein. Impeccable. C'est bizarre, ça saccade. Je suis un peu déçu. Alors attends, une seconde. Je vais te rappeler juste par. Comme ça les gens vont t'entendre aussi, ça sera peut-être mieux. Ouais, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Hello. Est-ce que tu m'entends? Hello. Tu m'entends? Allô? Ça va là? Tu m'entends non? Ça va chier. Normalement les gens t'entendent. Merde. Que YouTube et Discord qui fonctionnent. Donc c'est pas le téléphone. Le réseau, bah il est pas pire que. Il est pas pire que David. Donc une surcharge pas sur nos réseaux. Donc. Ok. Par contre là ici le problème c'est que je te mette à fond. On n'a pas accès au. On a rien son jeu par contre, là il a pas. Ah non, le son il lag pas. Hein. Mais j'ai pas accès au. Au son. J'ai pas accès au son du jeu. C'est bizarre. Framerate limit off. Ah, nice, ok. Pourquoi j'ai pas audio? Master volume, on va mettre à 0,2. Voilà, hop, le game, on va relancer.
Ouais, alors c'est une JT2, ouais, c'est une JT2. Est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce qu'on change? Je sais pas, demande aux 4 autres qui prennent part. Les 4 autres là. Je m'entends en écho, je sais pas, j'espère qu'ils s'entendent pas en écho. Pourquoi j'ai pas audio? Ouais, t'aurais pas des écouteurs? Parce que du coup, je m'entends dans. C'est des sacrés échos là. En écouteur, j'ai essayé de regarder ce que j'ai. Bon allez Jean-Michel, Tony là, répondez. Bon, toi qu'est-ce que tu veux? On reste sur la BM là. Est-ce qu'on reste sur la BM? Est-ce qu'on reste sur le circuit? Red Bull GP. Ouais, ça y est, j'étais dans les oreilles. Ah, nice. On peut essayer de se faire un Silverstone. Alors, tout à l'heure. Ah, là, je t'entends bien, là. Parce que je suis à fond, presque. Vas-y, parle. Alors, ouais. Je pense qu'on va t'entendre dans le stream en double. Tu demandais tout à l'heure si on restait sur la BM ou quoi que ce soit. Ouais. Du coup, on reste sur la BM. Bah, je sais pas, l'objectif de ce petit live, c'était de pouvoir regarder en direct les différents réglages de géométrie sur une voiture. Donc si possible, une voiture qu'on pourrait peut-être un peu s'acheter et qu'on pourrait conduire. Donc t'as rien dans les tablettes qui pourrait ressembler à une voiture fun à toi pour piloter dans le jeu, mais qui ressemblerait à une voiture de tous les jours. Le problème, c'est que tu peux pas régler les... La hélice, c'était déjà pas mal. C'est vrai que si on économise un peu, on peut se choper une hélice. Le problème, c'est que c'est un moteur central, châssis aluminium. Vas-y, c'est pas très parlant, quoi. C'est pas criant comme exemple. Certes. Certes, après les réglages, en règle générale, ils sont à peu près les mêmes partout, hein, peu importe ce qu'on a. Glican House, ah, il y a ça, c'est sympa. Non, mais là, il y a trop. Audi, il va me dire que c'est trop. Une MX-5, mais une MX-5, ça n'avance pas. Oui, je confirme. Ah, là, du coup, attends, j'ai pu relancer la vidéo. Tu t'entends pas trop, là, même. Non, ben non, du coup. C'est mieux. On peut séparer le micro de l'écouteur. C'est parfait. Alors, oh, j'ai une Mazda 787B, si ça t'intéresse, mais je pense pas. Voiture du Mans. C'est pareil, je pense qu'on va avoir un peu de mal à se l'acheter sur le bon coin, celle-là. Dommage. Dommage. Et une Pagani non plus, c'est pareil. Pagani Zonda, alors c'est du moteur Mercedes. Hein. Ah bon, ça va. Et une Audi. C'est accessible. Non, je rigole. Franchement, on n'est pas loin. Hein. Je pense que c'est plus accessible qu'une 787. Hein. Déjà, on a trouvé. Déjà, on en retrouve déjà mieux plus. une Audi. Alors, une Audi Quattro. Sympa, une Quattro S1. Ouais, Audi, effectivement, ça peut peut-être le faire. C'est du 4 roues, c'est dommage, mais. Une S1? Ça veut dire que c'est trop violent? Attends, je réfléchis. Il y a un truc que je vois tous les jours, mais qui est quand même assez péchu. Après, une GT86, ça se traîne un peu, pour être honnête. Hein. Un truc qui a du potentiel. Merde, une poche. En plus, dans le jeu, ils ne retranscrivent pas, quoi. Les trucs qui ont du potentiel dans la vie quotidienne, ça ne sera pas forcément retranscrit dans le jeu, quoi. Eh ben non. Un Cayenne Turbo S. Bon, non, c'est pareil. Il y a du potentiel, mais faut tout reconstruire. Hein. Faut garder le moteur, mais. Ouais. Une Mustang. J'ai un tout petit écran, donc je suis en train de regarder en même temps que toi. Une Mustang. Que tu bricoles. Et en plus, il y a un temps de retour. Est-ce qu'une Mustang, ça te. Oh là là, il y a 550 chevaux. Ouais,
Non, il y a 430. Je pense c'est déjà plus possible. Il y a 430. J'ai dit quoi? J'ai vu passer du KTM. Ouais, il y a KTM, mais c'est la X-Bow. Ça fait des voitures. Ah ouais, ça fait des tricycles, les KTM, d'accord. Non, c'est une 4 roues, ça. C'est une 4 roues. Je vais pas revenir au racetrack. Ouais, bah, c'est le fast-tool. Bon, écoute, voilà. Tu vois le truc. Prends une voiture, tu te permets de gagner un petit peu quand même. Et puis. Ah, une Mini Cooper S. C'est un peu tard là, mais ok. Prochaine. C'est parce que ouais, je suis en train de regarder la vidéo en même temps que toi, il y a un petit temps de latence. ouais, non, mais pas de soucis. T'as déjà choisi le. Ouais. Choisi le circuit, ok. Ouais, moi je suis chaud. Moi. J'ai pas regardé les réglages. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des chats? Ça dit rien, je crois. Ah, rien. Ah si. Donc il y a notre ami là qui écrit en japonais qui dit désolé, je bosse en même temps pour la caisse, à toi de voir. Le truc qu'il faut, juste une caisse avec beaucoup de son réglage. Ah ouais, c'est vrai. Merde, j'ai pas assez de son. C'est pas grave. Oh là. Enfin, un bateau. C'est un bateau. Je sais pas s'il y a du réglage là-dessus. C'est lourd. Oh là là. C'est plus que lourd là. Allez, on te regarde tous. Enfin, quatre. On est à 4 à te regarder par ton goal. On était 7, hein, mais je sais pas, ça change beaucoup le nombre de personnes. Ouais, bon. Bah, y en a qui font un peu comme moi, là, qui passent d'une application à l'autre, donc ils viennent, ils disparaissent, ils suivent un petit peu ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Après, il y a le nombre total de vues, on verra, ça se trouve, il y en a 7 en live, tu vois, mais au total, il y a peut-être plus de personnes. Ouais, c'est ça. Je dis, s'il y a 30, ça me va, ça me suffit. Oh là. Ouais, effectivement, maintenant je commence à voir les images. c'est lourd, c'est très lourd. Plus que lourd, la suspension n'aide pas, on va dire. Non. C'est bizarre parce que quand même, ils ont modifié la nouvelle forme. C'est pas un truc des années 70. Hein. Voilà, hein. Là, t'as l'impression de conduire une voiture des années 70. oh purée, ah ouais, tu vas voir ce qui s'est passé. Je tourne à gauche, ouais. Je mets le volant à droite, je freine et la voiture reste à gauche. Elle reste tournée à gauche et je fais un tout droit alors que j'ai les roues braquées à droite. T'as fait un transfert de masse, c'est fini quoi, c'est un pack beau bordel. C'est ça. Tu vas voir. C'est pas encore là. Merde. D'accord, ouais, ça y est, c'est bon. Je le vois. Non, attends. Enfin, à moins que t'aies le stream en avance, quoi, peut-être, ouais. Voilà, quand je sors. J'ai pas l'impression d'avoir un stream en ralenti. Mais c'est surtout que toi, tu peux le mettre en mode ralenti. Moi, j'ai pas l'impression que merde. Non, moi, c'est marqué comme direct. C'est peut-être marrant. Maintenant qu'on a l'audio qui fonctionne, tu peux revenir en 3-4 mots sur le fait de mettre plus de pression dans le pneu pour qu'il chauffe plus vite. Si tu mets plus de pression, t'as moins de surface en contact avec la route, donc théoriquement, bah, ça devrait être l'inverse, non? Non, la surface elle change pas des masses tant que tu déformes pas le pneu. Tant que tu restes en dessous d'une pression, en fait, ta surface elle change pas. Et ouais. Et plus t'as d'air, en fait, plus t'as une densité, plus tu peux augmenter la pression en fait dans ton pneu. Plus tu peux augmenter ta densité d'air, donc t'as plus de molécules dedans, donc ça peut s'échauffer. Mais exactement, en fait, pas trop ta température c'est une
Déjà, t'as moins de surface avec la route, parce que tu me demandes, y a la surface, si tu parles de la surface, même si c'est pas flamboyant. Moins t'as de surface, plus ça chauffe. Ouais. T'es d'accord. Déjà, t'as du mal. Non, justement, c'est bien là où, c'est là où je te suis plus. Ben, quand tu roules avec des petits pneus, tu vas les chauffer, tu vas beaucoup plus chauffer qu'avec des gros pneus. Ta surface, elle va. En fait, ta chaleur créée elle est la même, sauf qu'elle va se dissiper sur une plus grande surface, dans une plus grande matière. Ouais. Si tu prends un petit briquet et que tu essaies de chauffer, genre. Une petite pièce de métal, genre. Une petite aiguille, elle va être brûlante l'aiguille, alors que si tu essaies de chauffer une enclume, ça sera à peine à température ambiante. D'accord. Ta chaleur elle dissipe dans toute la alors, pièce et du coup. Sur une course de. Enfin, une course, sur un circuit de drift où tu ne fais que de la friction, tu ne fais que générer que de la friction, oui, là je peux te suivre, je peux le concevoir. Mais sur un circuit normal où le dérapage c'est trop tard, c'est quand tu t'es loupé. Quand justement tu essaies d'avoir du grip, je dirais que au contraire, il vaut mieux avoir un pneu qui se déforme plus pour chauffer plus. Pour avoir une gomme bien tendre, pour accrocher, avoir beaucoup de surface d'accroche et une gomme bien tendre. Ouais mais non, enfin, ta déformation elle crée un peu de la pression mais pas des masses. Elle crée un peu de la température pardon mais pas des masses. Plus t'as d'air dans le pneu, donc plus de pression, plus t'as un potentiel en fait d'échauffement. Parce que c'est l'air qui s'échauffe. D'accord. Merde, j'ai pété le moteur. Ouais, j'ai pété le moteur. Ok, d'accord. Moteur de merde. Oh, il est pas réaliste ce jeu. T'as fait je sais plus combien de lignes rouges sur la hélice et elle était toujours vivante. Et là, t'as pété un V8 américain. Exactement. Alors, du coup, on va mettre du carrossage à l'arrière, à l'avant de ce truc. Non, te justifier scientifiquement, de façon simple. La loi des gaz parfait, mais ouais, il y a que la loi des gaz parfait, juste enfin, ouais, faudrait que j'essaye en fait, tout simplement pour te justifier ça. C'est un peu compliqué au niveau scientifique de façon simple, c'est je vois pas trop. Sans rentrer trop dans les détails, mais je te garantis que ça marche comme ça. Plus tu mets de pression, plus tu mets d'air, plus tu chauffes. Le problème, c'est ça, je veux bien le croire. Hein. Ben voilà. C'est juste, je voudrais saisir le principe. Et j'ai pas encore compris ce principe. Enfin, je comprendrai, je vais l'essayer tout simplement. Essaye, hein, franchement, essaye. Je vais juste un peu la pression. Je vais. Mais c'est vrai que ça a pas mal. C'est pas à 100% ça, mais ça fait entrer en jeu le fait que t'as moins de surface de contact. Avec la pression. Ouais. À l'arrière, du coup, on va laisser comme ça. Est-ce qu'on peut régler, par contre? Est-ce qu'on peut régler... Alors, les pneus... Ouais, on va mettre des semis. La pression... Franchement, on est déjà haut en pression. Ah, on peut régler ça, quand même. Il y a plusieurs diffs sur la Mustang, on va mettre le diff court. Et puis c'est tout, il y a un brake power, on met à fond. Fuel, on va régler le fuel quand même, parce que là... Tu peux la rabaisser un peu, ou la raffermir, ou un truc comme ça, pour éviter qu'elle rebondisse dans tous les sens. Je peux rien faire, je peux gérer que la géométrie. Ah, c'est le problème de cette caisse. Allez, play. En vrai, une GT2, c'était pas si mal, hein. Parce que tu règles à peu près tout. Et c'est le moteur avant. Bon, là, juste des bons pneus. Hein. Des amortos sympas, mais. C'est, en soi, c'est un châssis de BM, quoi. Que tu retrouves partout. Hein. C'est une E92, que tu retrouves partout. Ouais, voilà. C'est un peu récent comme mode. Enfin, un peu. Ouais, c'est vraiment juste un peu. Pourquoi ça tourne plus que ce bateau? Pourquoi c'est un juste plateau? Le problème, c'est que je vois tout ce que tu fais avec beaucoup de temps d'avance, donc ouais, je ne comprends pas pourquoi tu poses des questions. Beaucoup de temps de retard, je veux dire.
Ah ouais, bah d'accord, ok. Je vois pourquoi tu poses la question maintenant. Oh là, oh là, oh là. Oh non, non, non. En fait, ça me permet de freiner. Je t'ai déjà pété ? Merde. Alors, attends, j'attends la quasi hauteur maintenant. J'ai dû mettre une 1, je crois. J'étais en 5 ou en 4 et j'ai dû mettre une 1, mais moi je suis habitué à ce que ça. Oui. Voilà. Moi je suis habitué à ce que ça ne rétrograde pas normalement. Si ça peut pas. Oh là, oh là. Ouais, si ça peut pas, tu peux. Alors attends. Normalement, ouais, t'as un anti, un truc qui empêche ça. Ouais. Merde. Attends, je t'ajoute. On va. Ouais, TD égale MR. NRT. T. MDR est étudiant, c'est chiant. RIP le V8. Reste une piste. T'es étudiant en quoi, mon petit chinois ? Faut que tu me dises ton nom un jour, parce que... Pourquoi je peux pas l'ajouter, putain ? Ah, si. Yo. Ouais, gros. Merde. Ok, c'est bon. Yo ! Comment tu vas ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, ça va. On est en live sur le stream, là. Ouais, c'est vrai. Ne donne pas ton code de carte bancaire aux 4 personnes qui nous regardent. C'est sûr. On fait comme je tu veux. Je vais y faire. Vas-y, hein. Tu donnes les petits 3 petits chiffres derrière aussi, s'il te plaît. On va éviter de mettre une 1, ça fait 2 fois que je peux être le V8 de la Mustang. Hein. Bravo. Je crois qu'on va... Ouais. Tu driftes ou... Bah je driftais ouais sur Highlands comme je te disais là. Avec je te présente Tintin, Tintin je te présente Enzo, le pro du drift. Et caméraman semi-pro. Qui est... Là, tu fais du grip, ça s'entend. Là, ouais, j'ai une Mustang. Je me suis fait assiéger pour conduire une Mustang. Et un Tintin. Merde, 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 ça freine pas. Tintin, tu es mort. Tintin, il est pas là. Mais si, il est là normalement. Qui c'est qui est à côté alors ? C'est Tintin ? Le truc bleu là. Y'a personne. Y'a personne, y'a que nous deux frères. Rappel. Mais qui c'est en bleu alors ? En bleu, bah, c'est toi. Attends, je rappelle alors. Ouais gros. Tu m'entends ? Ah mais si tu quittes pas l'appel frère, je peux pas rappeler moi. Ah si, il est là. Tenteng. Ouais, je suis là. Ah sure. Voilà. Ah ça, c'est pas pourquoi ça a déporté. Mais c'est pas grave. Je vais apprendre à utiliser cette appli un jour. Ah c'est pas dur, t'inquiète. Y'a rien normalement. Oh là 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 là. C'est pas dur le drift en Mustang mec hein. Donc je disais... Reste je me... en deux, du tout plus que 4 moteurs, là reste en deux en fait, c'est bien. Mais mon 3, hein. Mon 3 ça part, tu m'appelles contre appel. Ouais je disais je me suis fait un peu matraquer pour que je prenne la Mustang là. Et du coup ouais je te présente Enzo, et Enzo je te présente Tintin. Tintin. Qui est le drifter pro, et du coup le caméraman semi-pro qui est à l'origine et que c'est lui que tu peux blâmer pour tous les plans dégueulasses que tu verras dans la prochaine vidéo.
Tu comprends pas. Caméraman Sony Pro, ça sera toujours mieux d'être à deux que toi à bout de bras. J'aime bien ton bras, mais c'est pas terrible. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Bon, du coup, tu veux qu'on drift là? Ouais, si tu veux. Ce sera peut-être mieux. Pourquoi pas. Que de faire du semi-grip dégueu. Tu nous trouves un. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un truc en ligne tous les deux sans forcément passer par un serveur? Ouais, comme avant. C'est-à-dire non, enfin, on n'a jamais fait ça. Alors attends, dans les chats, il y a. Donc il s'appelle Enrico, notre ami. Enrico! Je sais pas s'il y a eu un lag dans le clavier. Actuellement étudiant en BTS, maintenant ce véhicule est passionné de prépa depuis tout petit. Yeah! Voilà! Enfin, une bonne recrue! Exactement! Un gars intelligent qui a fait des bonnes études dès le départ, c'est bien ça! En BTS, tu vois la loi des gaz parfaits, tu me diras, je crois qu'on la voit au lycée? Non, je sais pas. Bref. Je sais pas si on la voit au lycée. Non, est-ce qu'on peut, du coup, Enzo, est-ce qu'on peut ne pas passer par un serveur? C'est ça ma question. Ah, tu veux un truc privé en ouais, 3. Ouais, créer un truc. Non, nous deux, parce qu'il joue pas le Ten-Ten. Et là, moi, je joue pas, hein. C'est pas possible. Ah, bon, bah, c'est impossible, alors. Et je peux pas jouer, qu'est-ce que tu veux? La connexion, elle est bonne ou pour parler ou pour jouer, mais pas les deux en même temps. Hein. Ah, il a pris un accent de même coup, là. Tu sais pas d'où il sort. Bon, trouvez-nous une GT2, là, qu'on drift en GT2, frère. En GT2, mais il n'y a pas de kit grand angle là-dessus. Mais il n'y a pas besoin de kit grand angle, Michel. On fait pas vraiment. Ah, moi, oui, excuse-moi, mais oui. Elles sont les GT2 là? Ouais, bah bon, là, en même temps, t'as un V8 pour t'aider. Alors. Peut-être pas forcément besoin de contre-braquer à fond, quoi. Mais non. Dans Spa, voilà, Spa. Mais à Spa, on va drifter à Spa, frère. Allez, on va drifter à Spa, t'inquiète. Allez. Spa. Tu vas sur Daredevil, Diaz. Ou hashtag 2-4-A, pardon. Tu le vois sur le stream normalement. Tu vas le voir sur le stream. Tu regardes le stream ou pas? Non. Oh là là, Michel. Oh, j'essaie. Alors, pourquoi regarder un stream si je veux jouer avec toi? C'est vrai, mais quand même. C'est vrai, ça va être compliqué. Quand même. Bon, Enrico, pour la petite histoire, il nous prépare une 206, je sais pas si c'est une S16 ou pas, je sais plus, assez violente. Il m'a envoyé des photos que j'ai pas eu le temps de regarder d'ailleurs. Où ça? À la Réunion. À la Réunion. Voilà. Monsieur de la Réunion. Je suis un ami de la Réunion aussi, Enrico. Ça se trouve, il te connaît, hein? Ça se trouve, vous connaissez. C'est petit, la Réunion. Daredevil, dièse, hashtag 2A. C'est bon, je vois le stream. Moi, je prends la M3 GT2, ma man. Ça va être violent. Mm-hmm. Je vous préviens, ça va être violent. Mais je comprends pourquoi le stream lag un petit peu. Enfin, genre, il FPS que dalle. C'est ta caméra, ça? Non, pas ma caméra, l'écran, le jeu. Regarde le jeu quand le stream quand je suis en jeu. Tu verras que t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, qu'il y a 15 FPS. Pourtant je suis en 30. Faudrait que je monte en 60, mais pour ça faudrait que je coupe le stream. J'ai un peu la flemme. Tu me diras, je pourrais essayer. Comment toi tu peux avoir un affichage en 30 FPS alors que nous, sur YouTube, l'affichage est plutôt fluide. Ah bon? Tu m'as dit qu'il buguait? Non, c'est pas ça que tu m'as dit? Tintin? Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais j'ai pas entendu la question. Tu m'as dit qu'il buguait le stream, non? Non, c'est l'appel qui buguait. D'accord. Mais le stream, pour moi, il saccade un peu. Sur YouTube. Ouais, franchement, ça va. Pour l'instant, je trouve pas que c'est. Je trouve que c'est plutôt flou. Merde, c'est une course. Toi, ton retour de caméra, ouais, il est pas terrible, mais sinon, le jeu en ligne, ça va. Oui, c'est ça. C'est pas du drift, c'est ça. Je sais pas, moi, j'ai pas vu qu'il y avait course.
fuck? Oh, ah, on va drifter, t'inquiète. Ça en bat les couilles. Mais, tu fais pas le... mais non, j'accepte pas ça. Tu veux qu'on livre? Viens, on livre. De toute façon, je me suis fait out parce que j'ai mis une marche arrière sans le faire exprès. Excusez-moi. Je suis nul, pardon. Tu fais une pichenette à tout le monde, t'inquiète pas, tu vas sortir très vite de la course. On livre ou pas? Ou t'es resté? Enzo? Quoi? On livre ou tu es resté? J'ai pas compris. Est-ce que t'es resté sur le serveur? Ah, j'ai même pas réussi le... Ah, je l'ai même pas trouvé. Ah. Non, faut que je... Bah, on va sur Drift Junkie, puis basta, hein. Ah, mais c'est pas du GT2, ça. Mais non, c'est le E30. Ah ouais, mais GT2, mec, c'est la vie. Il m'a saoulé avec GT2. J'ai vraiment... Merde. Ah non, c'est bon. J'ai vraiment fait une prépa, de un setup dessus, mec. J'ai commencé à drifter la GT2. C'est le concept du... C'est le concept du stream, et franchement, elle drift de ouf, mec. Demande à Tintin. Mmh. Tintin, t'en penses quoi? Ouais. Au moment où il va commencer à prendre la GT2, j'ai commencé à essayer d'apprendre à utiliser Discord, j'ai pas tout suivi, mais ouais, effectivement, c'est pas mal. C'est vrai que c'est la voiture avec laquelle il a pas encore cassé de moteur et il est pas trop mauvais. Exactement. Bah quoi, tu vois que c'est une course ou pas, du coup? Non, mais après, t'avoueras quand même qu'il y a un petit souci dans le jeu. T'as pas encore cassé de moteur BMW, t'as réussi à casser un V8 américain. Mais c'est pas un souci, ça, c'est normal. Non, c'est pas logique. Ouais, a... c'est absolument pas logique. Lequel tu veux de Drift Junkie, là? Le hashtag 3? Ça, c'est des GT. Le GT, c'est pour le grip. Non, mais Drift Junkie, c'est pas des GT. C'est pas faux. Mais on s'en fout, justement, c'est le concept. Je t'explique justement que tu fais ce que tu veux avec toutes les caisses du monde. Remarque. Merde. Après, une barquette avec 4 roues, ça reste une barquette avec 4 roues, hein, qu'il y ait des ailerons ou pas. Exactement. Bon, alors du coup, on va faire mon GT2 après. C'est pas grave. Bon, est-ce que Enrico il parle? On est 5 là, C'est fluide pour moi. Attends, c'est que j'ai pas suivi là. Bon, bah si c'est fluide, écoute, moi je touche pas. Hein. Enrico il confirme aussi, c'est fluide pour moi. Mais pourquoi c'est pas fluide sur mon PC de merde? Bon, c'est un PC de merde, mais. Je vais aller checker quand même sur mon tel. J'adore, toi, t'as 3 serveurs, moi j'en ai 1000 qui s'affichent à cause des mods. Non, mais déjà, j'ai désactivé tous ceux où, genre, il fallait un mot de passe, etc., tu vois. Ok, allons-y. La merde, j'ai pas changé la pression, donc ce soir, c'est pas grave. Attends, t'es tout d'un qui... Regardez le téléphone, je vais démarrer l'ordi, ça sera plus confortable. Attends, gros, je vais t'en faire un film de meilleure qualité, tu verras. Non, j'ai pas envie, frère. Non, mais déjà, j'ai désactivé tout ce... Voilà, on n'entend plus parler. Clac. Ouais, j'avoue, c'est fluide. Ok, impeccable. Bon, mais je laisse tout comme ça. Drift Junkie, t'es... Ah ouais, mais non, c'est fluide. Ok. Wesh, bah oui, mette le stream, frère, le stream. Mec, ouais, je vois. C'est pas van pour le stream là, mais tu mets dual stream dans le titre, ça marche bien. T'es là, ouais, moi je stream et tout, blablabla. Et après, genre, t'arrives même pas à suivre le serveur, putain de merde. Ok, bon, comment on va la modifier cette bagnole là? Dis-moi ce qui gêne dans cette E30, toi qui la connais mieux que moi. Mais dis pas rien, sinon je te tape. Pas rien. On est pas là pour ce qui met du jeu vidéo. T'as pris quoi? Ah, t'as pris la E30? Bah, la 30 Drift, ouais. J'hésite avec la E92 ou... Moi, je préfère la GT2 en 92, hein, pour être honnête. Sans vouloir te faire chier. C'est même pas utile. Là, avec la 92, ça drift, je peux bouffer. En GT2, non. En GT2, je te bouffe, mec. Ah, ça y est, tu t'es amélioré, t'as pris des réglages, tu t'es habitué. De quoi tu parles? C'est chiant, un temps comme ça là.
faire dans le stream, une pote. Ça. Attends. Ouais. Tu veux, je te mets un stream sur Discord. Commence pas à enlever mes joueurs. Tu penses, j'arriverai à rattraper l'image du coup. Ah mais là tu as une meilleure image à mon avis. Non mais bon, ça serait pas plus mal parce que je suis totalement inutile. À part je lis le chat, mais je suis totalement inutile, je vois rien de ce qui se passe en temps réel. Pourquoi tu vois rien? Mais non mais c'est pareil, tu auras même décalage. Après le problème c'est que ça se décale dans le temps, j'ai l'impression au début il y a zéro lag et puis après, enfin aucun délai et puis après il y a du délai. Ah non, hein. Le délai il est toujours pareil, c'est simplement que tu as besoin de traiter un petit peu l'image avant de l'envoyer en vente. Ouais, bien sûr, mais... Il y a un délai de, je sais pas, quoi, peut-être 5 hein secondes. Mais il est flou, hein, c'est simplement qu'il faut 5 secondes entre ce que tu es en train de faire et pour que je le vois, moi. Ouais, ouais. 5, c'est petit, en vrai, hein. Des fois, t'as 30 secondes ou quoi, hein. Ouais, ah voilà, après, ça dépend de la qualité de ta ligne à toi. Mais ça a l'air d'être... c'est toujours 5 secondes, hein. Ok. Tiens, regarde le Discord. Mais t'auras toujours un délai, mec, hein. Sur le Discord qui m'attend. Ah non, tu fais un stream sur Discord ou tu fais un stream Twitch que tu as mis un lien à Discord? Ah, Discord. Ah ok. Mais pas, non, pas Twitch. En Discord, là, je vois qu'il est en train de visiter ton intérieur. Je te rends du tac. Sur VR. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et oui. Tu joues pas petit, mon gars, là. Ah non. Ah, je te dis, lui, il est à fond dessus tout le temps. Ok, d'accord. Bon, c'est bien. Moi j'ai les derniers pneus et lui il a le dernier casque de VR. Ouais, j'ai le bad game, hein, calme-toi. Ouais. Écoute, au moins il risque pas de perdre son permis. Au moins quoi? Au moins il risque pas de perdre son permis. Ah non, ça c'est clair que. Je crois que j'ai une Z4 devant moi ou un Z3, je sais plus ce que c'est, mais. C'est bon, il y a tout qui marche. C'est de la merde, c'est machin, il y a le châssis qui se déchire. Exactement. Je vais me faire un ami là. Non mais c'est surtout que le mec il galère à drifter avec cette merde. Bon, moi ce qui me fait chier, c'est que l'avant, il n'y a pas assez d'avant, voilà. Du coup, back to pit, merde. Back to pit. Je suis sorti des stands, zéro réglage là. Alors moi ce que je vais faire... On va se faire un petit plaisir là, on va se mettre de l'ouverture. Voilà, on va se mettre du carreau. Et voilà, là il y en a un, tu vois, il sait piloter en réalité virtuelle. Ah bah oui, bien sûr. Là du coup, là c'est bon. Bah, apparemment tu pilotes déjà pas trop mal en réalité non plus. Ouais, ça va. En réalité non, il pilote pas, il sait pas piloter. Non, okay. Clément, le problème c'est qu'il est trop dans l'attente du feedback, mais il n'arrivera jamais avec le volant. Dans l'attente du feedback. Dans l'attente du feedback, c'est ça que tu dis? Ouais, t'es en attente de feedback. Quand je te regarde avec 5 secondes de retard, mais je te regarde piloter, t'es toujours en train de faire des petites corrections, mais t'es en train de saturer l'ordi avec des infos qui ne servent à rien. Faut être plus théorique. Plus théorique, je suis dit. Enfin, en fait, faut être tout comme tu ne dois pas être sur la route normale. Non, en vrai, tu sens le clip de l'auto à l'avant. Juste que moi, je rentre comme un gros bolos deux fois trop vite. Je suis en train d'installer Discord du coup sur le PC, si c'est possible. Ouais. Après, fais gaffe au micro-enceinte aussi. T'es où là? Je suis dans les stands, frère. Tu es en train de la préparer complète? Exactement. C'est le machin qui sert à rien, tu vois. Ah, je veux qu'elle parte plus du cul et qu'elle parte moins de l'avant. Ça me saoule. Dampers. Ah, voilà, dampers. Dampers, on va tout mettre à l'arrière. Tu vois, elle va plus tenir à l'arrière, ça va être nerf. Je modifie la boîte. Non, je suis en pro. Mais du tuyau PVC pendant qu'il y a. Quoi? Du tuyau PVC pour... à l'arrière, sur les pneus, je veux dire? Ouais, sur les pneus arrière. Ouais, bah si tu veux. Hein. Le PVC,
peut essayer. Hein. Moi j'aime bien. Le jeu vidéo qui propose de l'option PVC sur la tête de l'arrière, je demande à voir. Bah, ça sera la mode. Ah, c'est toi l'anglais là, que je te double. C'était une vieille merguez, te regarde. Ah, avec ta... ah, t'as 3-6 gros. D'où ton nom. Pas mal, propre. Regarde ça. Oh merde, y'a un mec. Voilà. Qu'est-ce qu'il prend lui. C'est qui ce bolos. Le mec qui coupe le circuit comme ça. Bah, tant pis. Faut en profiter pour faire un temps. Hein. Je suis pas en haut. Enfin, depuis quand je crois que je suis toujours pas en haut. Toujours pas quoi. Ah, c'est Drift Junkie 3. Ouais, j'étais sur l'assez tôt, hein, t'inquiète, hein, t'en as pour. Ouais, sans espace. 10 minutes sans espace. Ouais. Pourquoi t'as le jeu? Non, j'ai pas le. Ah non, non, ouais, non, le serveur de Discord. Parce que là, je suis en train de passer sur PC. Puis tout à l'heure, je suis en train de mater mon téléphone et péter les yeux, mais ça sert à rien. C'est bon. Qui m'a tapé dessus? Je viens sur PC, c'est impuissant. C'est qui c'est FDP? Sur le serveur Discord, y a rien, faut juste t'es amené avec nous, t'as un appel, c'est tout. Y'a pas de serveur. Ce que j'étais en train de faire, c'est de récupérer une trace du flux qu'on avait créé là, pour pouvoir me connecter avec mon PC. Parce que mon PC, c'est la première fois qu'il se connecte, il faut bien lui dire où aller. Mais t'as un compte là, Discord? Oui, j'ai un compte. Et bah, tu te connectes à ton compte et tu verras tous tes amis. Là, je vais dans le gravier, ça refroidit. C'est mieux. Comme ça, il chauffe pas trop, tu vois. Si vous n'avez pas me réparer le dos bientôt, je vais bientôt télécharger. Voilà. Enfin, surtout qu'on n'est pas sorti de la crise, mon pote. Hein. Là, il parle des trucs d'été, là. On parle peut-être d'hiver, mais encore, nous, on serait apparemment, je suis dans la zone où on sortirait les premiers. Enfin, sortirait les premiers, mais j'ai un job qui se passe un petit peu merde. En dehors de mon département. Bah, même si je suis dehors, je ne trouve pas de job. C'est plus top, ça. Et tu sais que, soi-disant, il faut penser à annuler les... On appelle ça. Les trucs qui se passent en été, mec. Hein. Les rassemblements d'été. Ouais. Donc l'été, c'est pas un meilleur. J'avais déjà tout annulé. Mais là, le bordel, frère, en été. J'avais tout un tas de rassos... Ouais, vas-y. Mais en été, genre, l'été, c'est juillet, quoi. C'est-à-dire qu'en juillet, on sera encore confinés comme des merdes. Parce que s'ils annulent les rassemblements, c'est pour qu'on soit confinés. Ils vont pas te dire vas-y, sortez de chez vous et. Ils vont annuler. Je pense qu'ils annulent les rassemblements. Ils annulent les rassos, mais ils vont pas forcément. C'est pas. Enfin, bref, ils annulent les rassos, mais c'est pas parce qu'on sera encore en confinement. Ils annulent tout ce qui est grand déplacement et grand rassemblement pour éviter le repic. Le repic de propagation, d'infection, quoi. Ouais. Mais non, en fait, on aura le droit de vivre normalement, sauf que t'auras peut-être pas le droit d'aller en Espagne, t'auras peut-être pas le droit d'aller dans un gros festival à 100 000 personnes. Mais voilà, sinon tu pourras aller sortir un peu quand même. Oui, on sait. C'est un peu la casse, le truc, quoi. C'est grave la merde, oui.
Moi, je suis content, je me suis fait un tour de rein, il y en a pour 15 jours à moi, donc au moins, pour l'instant, je me fais un tour de rein tant que ça. Ah bah là, ouais. J'ai même pas besoin d'arriver à la vie. C'est dommage. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'avais autre chose à faire. Attends, c'est le bichuchot là. Ok. Tu parles à toi, moi. Attends, là. Si, si, je regarde une oreille. Enfin, oui, je regarde une oreille. Ouais. On va parler de stream. Parce que je suis en train de chercher. J'ai bien téléchargé le paquet pour installer Discord. Il est disparu. Je suis en train de regarder comment ça fonctionne. Le paquet, Rensa. Juste le paquet. Moi, je drift en 4, mais quand il y a quoi. T'es en 4 roues motrices sur le pont ? Non, 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 je reste en 4, en 4ème. En 4ème vitesse. Ah, 4ème vitesse, j'ai suivi là. J'ai pas suivi. Attends, t'es où là ? T'es au deuxième virage ? Grande paroi arbolique. Non, au premier. Le dernier pote qui m'a demandé où est-ce que j'étais sur un circuit, alors qu'on jouait ensemble, c'était pour rentrer dedans. Il est bien, Clément. Ouais, ouais, je sais, je le connais. Ah, Clément, je suis devant toi là. Bah oui, je te vois. Fais gaffe, mec, tu spins souvent. Mec, tu fais les 3-6. Qu'est-ce que je fais de l'envoi ? Je fais des reverse entry à quoi ? À quoi ? Merde. Ah, lui, elle est bon. On va enlever un peu de chasse, hein. T'en penses, Tintin ? On va enlever un peu de chasse parce que c'est une case de drift. On va enlever un peu de la chasse. Mmh. Je te double, mec. Et avec une mort là. Allez, par bas du cul, allez. On est rentré un peu fort, mec. Hein. Oh, je dis par choc. Attends, je vais le coller, Michel. Attends. Oh là là, ça passe en drift. Hey, tu vas trop vite, frère. Ah, mais tu fais une reverse aussi. Et je te referme la porte en drift. Tu me fais chier là, je te jure. Pourquoi ? Allez, accélère, putain, une M3 qui arrive pas à patiner, gros. Mais gros, c'est la base, hein. C'est assez tôt, ça. Est-ce qu'on peut arriver à se foutre un peu moins ? Non, j'ai pas la chasse, putain. Bagnole de merde ! Et la backward. Un peu trop tôt. Oh. Ah mon pote, si elle part pas du cul. J'ai chargé le circuit de Monaco. C'est propre ça. Il est trop beau bien. Et lui là. Ouais, merci. Et là, là-bas, il y a du grip. Michel, laisse-moi passer.
premier pour toi, wesh. Ah, je suis tellement propre. T'es des 36. Moi aussi, j'ai dû freiner. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais? C'est normal, tout va bien. Un pas, transition, transition. Tu prends le mur pour te remettre droit. Dégage, on regarde dans le rétro, toi. Aussi de la compète. Oh là là, quelle bête. Oh bah. Tu vas gagner au moins, j'espère. C'est bon. Tu vas gagner au moins, j'espère. Ouais, j'espère, parce qu'il y en a plein qui ont un bon niveau, même plus. Hein. Parce que le but de la compète, c'est de gagner quand même. Bah écoute, tout le monde veut gagner hein, dans une compète. Hein. Ah bah, c'est ce que je te dis, c'est le but, putain de merde. T'es pas une lopette, hein. Wesh. Ça y est, ça commence à insulter les gens. Ça sera ma première compète. Une pète en VR ou pas? Déjà? De quoi? Ah oui. Non, non, non. Putain, il n'y a pas de grand angle. Casque couille. Est-ce que t'es en VR dans la compète? On va attendre Clément, là, il arrive la balle. Enzo. Enzo. Tu m'entends, ouais. Enzo. Est-ce qu'il y aura de la VR dans ton compète? Bah c'est avec mon setup hein, tu drifts avec ton setup chez toi. Chez toi? Moi, je veux un vrai circuit moi. Je veux Maranello. Bon, faudrait que je trouve pourquoi je peux pas streamer assez tôt. Competizione. J'ai 5 viewers now. Bon, les petits gars, on va essayer de se faire un petit setup un peu mieux quand même. Parce que j'ai tout mis à fond à l'arrière. Quand j'ai la dalle. Moi, ouais, ouais, je prends le 30-0 réglage, tu verras que les réglages ne font rien. Ah si, ils font tout, mais c'est le concept du stream, encore une fois, mon ami. Je me dois de streamer... Une petite vue extérieure, monsieur. De streamer des réglages. De l'aéro, on met pas de l'aéro. On va mettre de la pression à l'arrière. Et de la dépression à l'avant. Moi je vois pas le volant, c'est un peu galère. Allez go. Bon, donne-moi une voiture, une propu. Bon drift. J'en suis sûr que je peux faire un truc. Oh là là, le drone derrière, comme ça. C'est ton jeu. Tu mettais quoi sur Netflix, ça fait Bright? Ça c'était avant. Ah, excuse-nous. Le mec qui fait deux séries par jour. C'est quoi là, c'est quoi? La Casa de Papel. Ah, vas-y, je me regarde un jour. J'ai pas le time. Non, n'importe quoi. Je suis rarement sur Netflix.
Je suis trop prolifique, moi. Ouais, mais d'accord, mais tu regardes quand même la Casa des Papels. Alors, les proverbes. C'est bien, moi. C'est ton Casa des Papels. Ah, je t'en aime lui, hein. Non, il peut pas. C'est bien nul. Moi, j'entendrai un mec pour t'en aime, je pense. Un mec qui fait pas de 3-6, si possible. Tu nous laisses? Il est 1h du mat. Allez, vas-y. Ah ouais. C'est ton heure. Enrico. Salut à toi, Enrico. Je sais pas quand est-ce que t'as dit ton nous laisse, mais... Désolé si je l'ai pas vu. Vas-y, fais des plans. Vas-y. C'est moi que tu parles? Enzo, il parle tout seul. Vas-y, tu sais où? Et moi, viens faire des plans sur moi. Des plans? Quel plan? Oh, j'ai en train de prendre des magas porte à porte. Moins d'un mètre. Moins d'un mètre? Ah ouais, moins d'un mètre. C'est dommage, ça. C'est propre. Hein? C'est propre. Et mon oui. Ami. Viens, on est au premier virage. Il s'est barré, Tata? Tu nous suis en mode grippe. Ouais. Et comment tu sais? Il a rien dit? Il a dit tchuss? Ah bon? Bah ouais. Bah. J'ai pas entendu, j'ai vu qu'il y avait le mec Enrico qui nous a dit tchuss, mais sur le live stream. Ah bah, vas-y, attends, t'es au. Vas-y, arrête-toi là, on arrive. Non, je me casse. Faut que j'aille bouffer, moi. J'arrive pas à stream quand j'ai trouvé le nouveau tour. On arrive. Ah, c'est bon. Non, lui, il patine plus que moi, là. Normal, il y a rien de français. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Boum, bitch. Le pauvre, tu l'as niqué, oh. Oui, t'es niqué, le mec il est au milieu. En vrai il est sur le bord, mais... Parce qu'il faut. Oh, je te vais sortir. Hein. Il est arrêté. Oui, bah oui, mais il est arrêté sur le bord, frère. Moi, je sors, boum, je tape, tu vois, j'ai même pas fait exprès. Des petits plans là, comme ça. Trop lent, frère. Je m'arrête pour t'éviter. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est toi là, tu fais des trucs chelous, frère. Ah, garde ta distance, oh. Mais c'est toi qui avance pas. Moi je drift, j'avance pas, je drift. Mais gros, je suis tout. Mec, mon cul il tient pas. Il tient plus. Le tien? Ouais, je me mets en 5, ça patine. Bah c'est F9 ça, c'est tout. Non, alors, je déconne, 5 ça patine pas, mais. Ça sert à rien, c'est F9. Bah ouais, je verse une larme, moi, mec. Je t'ai pas entendu dire, hein. Franchement, j'ai rien entendu. Je pense que c'est parce que j'ai pas le casque et du coup, j'entends pas bien. T'as pas dû me dire fort, mec. Moi, je suis triste. En tout cas, je me lance dans le streaming. En vrai, faut que j'arrive à faire tourner cette compétition et en stream.
bisous mon lapin. Toi aussi fais de beaux rêves mon lapin. Mais oui, ça me va comme ça mon choupinou. Faut t'attendre un petit peu que j'ai la réponse quand même. Oh choupinou! Prochaine fois Enrico, tu viendras si tu veux. Ah mais non, t'es timide, tu m'as dit. On s'en bat les couilles. Lorenzo, t'es où là? Deuxième mirage. Et toi? Je suis ligne d'arrivée de départ. Vas-y, je reviens, c'est quoi, j'en profite. La ligne d'arrivée? Ouais, j'en profite. Je me mets sur la ligne de départ là, je me mets à l'arrêt, on va me taper dedans, mais c'est pas grave. Alors que je suis même pas au milieu. Et je vais me chercher à bouffer, je crois. Je reviens. Vas-y. Et stream. Vas-y, vas-y.
là, frère. D'où tu drives devant moi comme ça là? T'es pas en train de faire des donuts. Mec, ça fait chier. T'as trop de sensibilité à ton moment. Les pneus ils sont froids. Pourquoi je te vois en train de faire intérieur, extérieur avec tes roues? Parce que tu me dis ça tous les jours. Du coup, faut que je le fasse. Ouais, genre, tu tombes dans le sens du virage et après tu contre-braques. Parce qu'après, la voiture, elle contre-braque trop. T'arrives pas à rester dans le contre-braquage dans le virage? Non. Ah, c'est chaud, hein. T'es obligé de corriger. Non, en vrai, je fais pas ça, hein. En vrai, non, je sais. Qu'est-ce que t'en sais? Tu m'as pas vu drifter. Ouais, mais si tu fais ça, je pense que tu gères pas ta voiture, en fait. Clairement pas, même tu peux pas le faire, je pense. Bah, tu sous-vires, après tu grippes, après tu sous-vires, en fait, vraiment. À moins que tu défonces ta DA, mais bon. Du confinement, je viendrai te faire des réglages. Il fait quoi lui? Ouais, laisse-le se foirer. Oh, il se comme recule dessus, frère. Putain, lui, il est sorti, mon pote. Il a cru le circuit, c'est deux fois la taille. Non, je crois que c'est l'heure d'arrêter. Je trouve comment streamer compétitionné, faudrait que j'essaye. J'arrive même pas à faire chauffer les pneus. Ils sont à peine verts. Ils étaient bleus, hein. Carambolage sévère. Il y avait un mec au milieu du virage. On était trois, on suivait. Du coup, le premier a commencé à freiner. Et puis, c'est tout. Personne d'autre à faire.
Oh Michel. Michel et mes abonnés préférés. Je suis derrière toi, là je suis devant toi. Oh là là là, ce drift. Ce mur. Walkis. Je voulais faire un méchant drift devant toi, mais j'ai pas réussi. Comme d'hab. Ouais, bien. Allons. C'était pas mal. Non mais genre vraiment faire un gros 90, mais je voulais pas non plus prendre le mur et la voiture est pas partie. Merde. Pardon. Ah c'est toi, salut. Dernier virage et puis on y va. T'as pas d'embrayage toi? Non. C'est notre pied pas. Tant pis. Oh. Allez. Be good enough for now. Quoi? Good enough. Tu parles anglais toi un jour. Ça veut dire presque. Ça veut dire bien assez. Une fois sur deux, je comprends. C'est ça. C'est pas mal, hein. C'est déjà bof. C'est déjà bien. C'est extrêmement bien. Bon, il faut que je trouve pourquoi est-ce que je peux pas streamer assez tôt. Assez tôt quoi? Competizione. Tu streames sur quoi? Sur OBS. Et il faut lancer le jeu d'abord. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Bah parce que sinon il le détecte pas. D'abord tu lances ton jeu, après tu fais Alt Tab, tu vas sur OBS et tu sélectionnes une fenêtre. Ou alors ton plein écran, je sais pas. Non mais ça marche, mais ça saccade dégueu. Ah ouais? Ouais. C'est ton PC qui fait ça. Ou ta connexion? Non, c'est pas ma connexion, mais je comprends pas que mon PC, genre, bah, tu me diras, attends, j'ai tout mis en low et tout, c'est tout dégueulasse, assez tôt pour moi. C'est assez bizarre. Pourtant, bah, ouais, assez tôt normal, ça marche nickel. Hein. Je te ferai essayer le VR avec mon setup. Ah, le VR, c'est la folie, ouais. Tu risques d'avoir des vomissements au début, mais c'est pas grave. Des vomissements. Non, l'abus. Il y a moyen. Bon, en tout cas, les petits gars du stream, là. Bisous, bisous, tout le monde. Salut, à une prochaine.